La Poche Bleue, une présentation de La Cage chez vous et d'autohebdo.net. Ah, c'est un autre qu'on regarde de côté, j'aime ça. Tu veux ton sel, je pense. Comment ça, il faut que je vais mon sel? C'est vous autres qui n'est pas correct, là. Hey, le pire là-dedans, c'est que je doute parce que Chris, il est tellement bon à télé, je suis comme, là, c'est sûr, c'est nous autres. Peut-être nous autres qui est en avoir pour vrai, Guy. Sérieux, moi, je suis comme ça, là. Quand on fait des directs à la télé, c'est comme ça, là. Ah, ben, mets les dons de l'autre bord, ouais. Mets-toi dans l'envers, Steph. Tu veux vraiment que je le mette l'autre bord? Et là, tu me mets dans le trouble, là, parce que... Ah, ben, tu vas être étourdi. Ah, ben oui. Là, je suis correct. Et là, ça veut dire qu'il faut que je le tienne. Si tout le temps, je vous parle. Là, ouais, j'avais attends, un beau... C'est pas facile, la poche bleue, Steph. Là. C'est un gros test, là. Colin, j'avais attends, tout là, notre réalisateur m'a dit, réessaye sur le côté, voir. Ah non, moi, je pense que je suis correct, les boys. Ben oui. Là, on t'a eu encore une fois. On a eu Luc Gilna, puis là, c'est ton tour à Steph. Je pouvais pas croire que j'étais pas correct, là, sérieux, là, parce que là, j'ai fait mon petit setup avec... Là, on est à la prairie Nevada, à soir, je vous avez remarqué, en arrière. Le petit arbre de Noël à côté, c'est une rareté, parce que moi, je suis jamais là à Noël. Cette année, m'être ici, parce que je peux pas aller au championnat du monde de hockey junior, on va décrire ça en studio à Montréal, fait que là, j'ai fait mon petit arbre de Noël, il est miniature, mais habituellement, des fois, j'ai même pas le temps d'en faire, je pars le 22 décembre, je reviens le 6 janvier. Tu sais, la toune de Beau Dommage, le 23 décembre, joyeux Noël, on s'en verra le 6 janvier, c'est moi ça. C'est toi ça. Mais hey, Steph... C'est-tu mon chandail d'équipe Canada Junior, il me semble, qu'il n'est pas magané? Non, ça. Ça commence bien. Non, ça, c'est le chandail vintage que les gars vont porter cette année. Il n'a jamais été porté encore par les joueurs d'équipe Canada. Ils vont jouer pour un match ou deux. Là. On m'a envoyé ça en cadeau. Il est beau. Je suis très content. Ouais, il est super beau. On va me lever un petit peu, là, vous allez voir. Là, tu sais, c'est comme ça. Wow. Ah oui. Donc, ils vont porter ça au moins une fois pendant le tournoi cette année. Puis... Hey, là, il faut mettre des choses au point avant de commencer. Okay? J'ai des messages importants. Je sais comment ça marche, votre show. Je n'ai pas manqué une minute depuis le début. Moi, c'est rare que je vous écoute en direct. Je vais être bien honnête. Mais moi, je marche 5 km par jour. J'ai toujours la poche bleue. Fait que des fois, la poche bleue me dure 3 jours, là, parce que ça prend 1 heure à marcher. Fait que des fois, le show dure 3 heures, 4 heures. T'sais. À soir, il va te prendre 3-4 jours. Max Lapierre, premier échange, j'ai une question pour toi. As-tu déjà entendu parler, toi, quand Guillaume fait livrer du poulet, s'il est cheap sur le type pour le livreur? Oh! Je sais pas. J'ai aucune idée, mais je pense qu'il est vraiment bon avec le gars de la poutine. Moi, j'ai un contact. J'ai quelqu'un de bien proche. Ouais, tu peux bien rire, Guillaume. Mais j'ai quelqu'un de bien proche qui a déjà livré du poulet à Guillaume pendant le début de la pandémie au mois d'avril. Ça a l'air que le type est ordinaire. J'entends dire ça. Là. Bon, ben, ah, mais moi, Benny est pas loin. Benny est pas loin, Steph. Ouais, c'est ça. Ça a l'air que t'as attrapé de l'herbette quand le poulet est arrivé, mon Guillaume. Ah, tabarouette. Ouais, j'ai ri en tabarouette. Bon, on va la compter, c'est pas bon des inside en ondes. Mon fils Jasmin, il a fait un peu de livraison de poulet au début de la pandémie. Question de donner un coup de main à tout le monde pendant la pandémie, on en avait besoin et tout ça. Puis une journée, comme par hasard, il tombe sur Guillaume Latendresse pour aller livrer son poulet. Fait que Guillaume cherchait les caméras quand ça sonnait à la porte, ça a l'air, là, il regardait à gauche puis à droite. Ça, c'était le premier message que j'avais pour Guillaume. Le deuxième, Max, encore, m'a adressé à toi. Guillaume, il m'a envoyé un texto le 23 octobre, il m'a dit « Steph, j'aurais besoin de ton adresse ». Fait que moi, j'ai dit, ben, pas de problème, il m'a donné mon adresse, mais je pensais que c'était pour savoir quelque chose, tu sais, je veux dire, une bouteille, une coupe de canette de bière ou de la sauce barbecue, mais non, j'ai été obligé d'aller me l'acheter, fait que je l'ai payé, les boys, mais bonne quand même, là, tu sais. Ça va où t'habitais, Steph? Tu voulais juste savoir où je restais, c'est ça, c'était pas pour m'envoyer rien, OK, c'est ça. Hey, bon, c'est plate, en plus, Steph, il vient de te booker d'un trip à Bécomo. Ben, écoute, pour le party. J'écoutais ça juste avant, les boys. Bécomo, là, je vous le dis, là, ça crie fort dans l'aréna là-bas. J'ai toujours dit, ça fait plus de bruit 3000 à Bécomo que 10 000 à Halifax. Ouais. Ça, c'est sûr. Votre brasserie, Saint-Pancras, c'est juste en face du Grand Hôtel, dans lequel il y a un bar qui s'appelle le Blues avec un restaurant qui fait la meilleure. J'ai jamais mangé une soupe aussi bonne que ça, n'importe où dans LHJMQ, une crème à l'oignon. Je vous le dis, là, j'ai pas vu ça nulle part ailleurs. C'est super bon. Max, trois blocs à côté de la brasserie, c'est la galerie d'art du père de Jimmy Bonneau. Ah, wow! Claude Bonneau, c'est extraordinaire. Allez voir ça, les œuvres qu'il y a là-dedans. Jimmy qui vient de Bécomo. C'est une place, le fun, Bécomo. Malheureusement, c'est sûr que c'est loin, on n'y va pas souvent. Mais les fois où l'équipe est allée en série, là, il y avait de l'ambiance là. Puis
Ça m'est arrivé de me faire crier après par les partisans un peu là-bas aussi. Ils sont intenses, là, mais je veux dire, c'est quand même une place que j'aime beaucoup aller là, quand j'ai la chance d'y aller. Je suis même passé là pendant mes vacances cet été. Je suis monté jusqu'au bout de la 138 cet été. Il n'y avait rien à faire. Fait que je suis allé jusqu'au bout de Natashquan. Je n'avais jamais été là. Je suis allé jusque-là. J'ai resté là une heure et je suis revenu. T'es sérieux? Hey, wow! Ouais, j'ai arrêté, j'ai couché à Sept-Îles, j'ai couché à Saint-Pierre, j'ai fait le trip, le road trip, tout seul. Je suis parti, puis écoute, je n'étais jamais allé jusque-là, là, j'ai vu la pancarte 138 fin. Si tu voulais continuer, il fallait que tu prennes le bateau, là, pour aller comme La Grande Séduction, là, le film, ouais. Là, Harrington Harbor, ouais. Puis tout ça, mais je ne m'étais jamais rendu jusque-là. Je n'avais jamais dépassé Bécomo sur la 138. Fait que j'encourage les gens, c'est super beau. On a trouvé notre guide, Guillaume. Ah non, mais Steph, t'as pas journée de notre party, là, c'est sûr. Ben écoute, si je t'ai invité, ça me fait plaisir, c'est sûr. Ben, t'es pas invité, t'as été invité avant qu'on t'en parle, c'est ça le problème. Ah, puis regarde, Steph, j'ai déjà ta sauce barbecue enveloppée, là, je te la donne okay. En personne quand je reviens. À partir d'Allemagne, ça va prendre du temps, là. Je m'en viens, Steph. Ouais, j'ai écouté combien de fois t'as dit que ça a été long, que le gin se rende, là. C'est une bad luck. Hey, sérieux, les boys, on va rire, là, mais j'ai pas manqué une minute de vos podcasts, je pense, depuis le début, là. Je les ai tous écoutés. Des fois, c'était dans l'auto quand j'allais des matchs quand il y avait encore du hockey, puis en marchant le matin, là, puis c'est arrivé quelquefois là, que je marche dans mon petit sentier, puis là, je pars à rire, puis le monde passe à côté, du Christ, il est fou, lui, il se tire tout seul, là, tu sais, c'est... Mais... Puis ici, l'abri, l'autre jour, là, c'était tordant, son histoire, là, je la connaissais un petit peu, mais il a ajouté des détails que j'avais jamais entendus, là, ça que... Luc, qui était très bon la semaine passée aussi, m'a fait rire des affaires, c'est le fun ce que vous faites, puis chapeau, regarde, je regarde les commandites que vous êtes rendus les plus hautes au Québec en 8-9 mois, c'est extraordinaire. Puis là, Steph, t'as raison, Luc est incroyable, mais là, on le sait que ce soir, tu vas nous impressionner. Moi, je veux commencer du début. Je vais poser la même question que j'ai demandé à Luc. Comment ça a commencé pour toi? C'était-tu ton rêve d'être dans les médias? T'avais-tu un autre objectif? Je ne pensais pas de faire de la télé, honnêtement, Max, parce que quand j'avais 9, 10, 12 ans, je grandissais. T'sais, vous autres, vous avez grandi avec RDS. Là, c'était votre animal de compagnie quand vous étiez petit et tout ça. Mais moi, quand j'étais... Moi, je suis né en 67. Là, fait que quand j'avais 12 ans, là, 79, ça n'existait pas des télés de sport 24 heures par jour. T'sais. Mais moi, je me voyais journaliste écrit. Là, je me voyais couvrir le Canadien. Pis ça, pis ça a commencé bien, bien jeune. Puis les gens qui me revoient aujourd'hui, là, qui me connaissaient quand j'étais au primaire, là, ils disent « On n'est tellement pas surpris que tu fais ça. » Moi, j'étais le genre... Je vois hockey dans la rue mes chums, mais je décrivais la game en même temps que je la jouais. Là, c'était un peu ça. T'sais. Puis ma mère me laissait 25 cents sur le comptoir le vendredi, puis le samedi matin, j'allais acheter le Journal de Montréal dès que ça ouvrait au dépanneur à 9h, parce que j'avais hâte de lire la section des sports. Puis, écoute, on commençait avec des anecdotes un petit peu. Vers l'âge de 12-13 ans, j'étais camelot pour la presse. Puis à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait le tabloïd des sports de la presse qu'on insérait. C'était une section juste pour les sports. Fait qu'évidemment, je me levais le matin à 6h30. Il fallait que j'aille faire ma run de journaux. Puis j'avais une madame, elle s'appelait Madame Stewart. Écoutez, c'est sûr qu'elle est décédée aujourd'hui, malheureusement. Elle devait avoir 75 ans à l'époque. Fait que j'enlevais son tabloïd des sports de la presse puis je le gardais chez nous. J'y volais. Puis je faisais un petit X, cette copie-là, puis pour être sûr que c'est bien elle qui avait ce journal-là, qui n'avait pas de section des sports dedans, parce que je l'avais gardé. J'ai été son camelot pendant un an et demi de temps, puis elle m'en a jamais parlé. Elle m'a jamais dit, écoutons, Stéphane, il manque ma section des sports. Fait que c'est clair qu'elle ne lisait pas, ça ne l'intéressait pas. Puis moi, ben, quand je revenais chez nous, ben, j'avais ma section des sports que je pouvais découper, les statistiques, je faisais des cahiers avec ça, puis tout ça. Fait que ça a commencé là. Ça a commencé dans les années, là, milieu des années. Moi, 1976, les Olympiques de Montréal, j'étais trop jeune, évidemment, pour travailler, mais j'étais scotché. Moi, ça a été le début, je pense, ça a été le point tournant. Là. Vous pouvez me demander les gagnants des médailles de 76, je m'en rappelle, mais demandez-moi pas 80, 84, 88, je ne sais pas pourquoi, c'est 76. Je les ai tellement regardés en boucle, ils passaient en reprise en 77, 78, je regardais ça tout le temps, j'avais mon petit calepin, je prenais en note les noms des gagnants de médailles, puis. Qu'est-ce qui t'avait marqué, Steph? C'était-tu les athlètes ou les statistiques? C'était les statistiques. C'était d'essayer de prendre en note les noms compliqués des Polonais puis des Allemands pour garder. Tu sais, puis moi, j'étais genre, là, j'avais 9-10 ans, là, puis je prenais le TV Hebdo, là, puis je faisais. Vous autres, vous êtes trop jeunes, là, mais les plus vieux qui écoutent, ils vont se rappeler de George Whelan, qui avait une grosse voix. Là, puis quand le poste ouvrait le matin, là, il disait. Aujourd'hui, à TVA, nous aurons à 8 heures telle émission, à 9 heures telle émission. Puis là, moi, je prenais le TV Hebdo puis je l'imitais. Tu sais, j'étais assis dans la cuisine chez nous puis je l'imitais. Fait que quelque part, je pense que j'ai toujours voulu faire ça. Je fais partie des chanceux qui ont décidé quand ils avaient 8, 9, 10 ans qu'ils voulaient être journalistes sportifs puis qu'ils l'ont réussi. Tu sais, ça a fait 30 ans au mois de mars là, que je travaille pour RDS. Puis écoute, je remercie. C'est vraiment incroyable. Puis. Je suis chanceux. Tu sais, les gens payent pour aller voir le hockey. Moi, je suis payé pour aller voir le hockey. Ça, tu sais, wow. C'est merveilleux. Là, mais justement, ouais. Tu dis le monde paye pour aller voir du hockey. Toi, tu es payé, mais
Tu as couvert plus que 2500 matchs de hockey à tous les niveaux. Ouais. Le budget, LHGMQ, Ligue américaine, NHL, internationaux, championnat du monde, Coupe Memorial, whatever. Ouais. Hey, 2500 games, ça commence à être du stock, là. Oui, ah, puis écoute, 2500, c'est conservateur, là, honnêtement. Là, j'ai pas mal le compte des matchs juniors que j'ai vus, mais si j'ajoute les midgets, j'ai fait des games au tournoi Pee-Wee de Québec. On couvrait toutes sortes d'affaires, mais c'est le fun. Écoute, j'ai passé, je dis toujours un peu à la blague, j'ai passé un an de ma vie à la Coupe Memorial, puis j'ai passé un an de ma vie au championnat mondial de hockey junior. Hey, si tu additionnes les 29 Coupes Memorial que j'ai couvert fois 12 jours, ben, ça fait 300 quelques jours. T'sais. Fait que c'est pas loin d'un an. Puis championnat du monde junior, ben ça dure 2 semaines. J'en ai fait 23 plus les 4 sélections. Fait que ça dépasse un an. Ça fait que, ça pas de sens. Pour moi, c'est vraiment, écoute, puis les gens disent « Hey, t'es chanceux. » Oui, je suis chanceux, puis je le sais, puis je touche du bois, puis j'espère que ça va continuer. Mais c'est le fun. T'sais, c'est un tournoi. Le championnat du monde junior, écoute, Guillaume l'a vécu comme spectateur. C'est extraordinaire. Je veux dire, il était assis avec sa chapeau couloc, puis il bougeait pas beaucoup. Je suis sûr que... Écoute, j'ai entendu PJ Stock, c'est une des bonnes entrevues que vous avez eues, quand il racontait là, qu'il, sur le banc des joueurs, quand il jouait pas, il faisait un game de poker avec le blackjack. Je suis sûr que Guillaume aurait pu faire ça avec sa chapeau couloc. Il aurait eu une bonne game, ce tournoi-là. Il n'a pas été correct, Brent Sutter, avec Guillaume. Mais c'est le premier... Il est sur la première ligne, Guillaume, pour les gens qui ne savent pas, il est sur la première ligne. Deuxième chiffre, je pense, la première game, il échappe son gars en zone défensive. C'est un peu ça qui est arrivé, Guillaume. Tu as échappé, toi. Quelque chose de normal. C'est ça. C'est une affaire qui arrive à tout le monde. C'est terminé. Il est devenu 13e attaquant tout de suite. Steve Downey a pris sa place. Puis Guillaume revenait sporadiquement. Pas Coulac, je pense qu'il a joué 2 chiffres dans le tournoi. Ouais, là, mais Guillaume a joué un petit peu quand même, mais pas beaucoup. Puis je trouvais que c'était un traitement difficile qu'on lui avait fait, compte tenu qu'il y avait quand même des bons chiffres et tout ça. Mais Brent Sutter, c'est Brent Sutter. Ceci dit, il a gagné la médaille d'or, alors on ne peut pas trop... On ne peut pas rien dire. 5-0 contre les Russes en finale, c'est... C'est ça. T'sais, je veux dire, cette année-là, là, Guillaume, il y avait plus de mérite, parce qu'il avait gagné l'année d'avant aussi, 2005, Brent Sutter, mais c'était une équipe pactée. Là, c'était Patrice Bergeron, c'était Nick Crosby, c'était la gang de Mario Durocher de l'année d'avant qui revenait. T'sais. Mais en 2006, il y avait juste un vétéran, je pense que c'était Cam Barker. Si fort que ça. Là. Non, c'est ça. Puis il a fait vraiment une bonne job, mais Guillaume a été spectateur majoritaire. Au moins, j'étais comme toi, j'ai pas payé mes billets. Mais mes parents, ils ont sacré leur camp avant la fin du tournoi. Hein. C'est vrai, ouais. Oh, ils ont payé super cher, ils ont cancellé leur vol de retour, puis ils sont partis avant les demi-finales. Ils ont dit, si je reste ici, parce qu'après les games, il y a tout le temps des get-together, équipe Canada, puis ils ont dit, si je reste ici, je vais sauter d'en face. Ils ont booké le billet, puis ils sont partis. Tu sais, c'est sûr que j'ai un préjugé favorable pour Guillaume parce que j'ai un préjugé favorable pour les gars du Québec qui vont au tournoi chaque année. Pour moi, c'est important qu'il y ait des gars du Québec puis tout ça. Puis j'ai trouvé que cette fois-là, il avait été vite sa gâchette pas mal, tu sais, de l'enlever de là, tu sais. Puis c'est dommage ce qui s'est passé, tu sais. Puis, tu sais, Guillaume, c'est un... Moi, j'ai toujours aimé Guillaume. J'ai commencé à couvrir Midget 3. Regarde, Guillaume, moi, le dire aux gens, tu m'as demandé de te pomper hier. Il fallait que je te pompe un peu. Fait que pas je vais surpris. Passer à retraite à max, là. Oui, je sais, mais regarde, après ces 2 premières saisons, je ne sais pas si les gens savent ça. Guillaume, t'en rappelles-tu quand j'avais fait ce reportage-là? Ben, tu m'as envoyé l'image cette semaine. Oui, je t'ai envoyé un petit bout hier, là, mais parce que les gens doivent comprendre, des fois, je vais remplacer ça à la Ligue nationale. Tu sais, je fais le junior, puis c'est pas mal ma job, mais ça m'arrive d'aller remplacer ça à la Ligue nationale. Puis cette journée-là, je m'en vais remplacer aux Canadiens, des collègues. Tu sais. Puis la façon que ça marche aux Canadiens, tu sais, c'est comme un peu prédéterminé qui sont les joueurs qui vont parler aux médias cette journée-là. Tu sais, c'est pas, on peut pas nécessairement parler toujours à tout le monde. Mais moi, quand je vais faire le Canadien, personnellement, j'essaie des fois de trouver un angle différent des autres puis tout ça. Puis j'avais trouvé une stat sur Guillaume que personne n'avait parlé. Personne. Puis là, j'avais dit à Dominique Saillant, qui était le relationniste, j'aimerais ça avoir Guillaume tout seul, tu sais, puis je me connais bien puis tout ça, tu sais. Puis Guillaume était le 4e meilleur buteur de l'histoire des 100 ans du Canadien avant l'âge de 21 ans. Ça veut dire qu'avant 21 ans, là, il avait compté 32 buts, 2 fois 16. Puis, il y avait juste 3 joueurs dans 100 ans d'histoire qui avaient fait ça, plus de buts que Guillaume avant l'âge de 21 ans. Fait que moi, je trouvais ça extraordinaire comme reportage. Fait que je me souviens, je pense que Guillaume il avait apprécié que je sorte ça. Même s'il a dit, j'ai réécouté le reportage, écoute, Max, c'est drôle parce que Guillaume, il a dit déjà, c'était prémonitoire à ce moment-là, va falloir que j'engraisse ces stats-là. J'écouterai le reportage. Il va falloir que je mette un peu de gras à l'entour de ça. C'est ça qui est arrivé. Là. Si,
Mais blague à part, c'est moi, j'écoutais Ron le soir en revenant des matchs de hockey junior parce qu'évidemment, je suis toujours sur la route. T'sais, fait que moi, genre, les games du Canadien, souvent, je les vois juste quand je travaille pas. Fait que je revenais. Puis là, le monde appelait. Puis la tendresse, traîne les pieds, la tendresse, fais pas ça. Puis calice, il y a 20 ans. Excusez, là, j'ai le droit de dire calice. Je sais, j'ai compris votre podcast. Mais là, j'ai dit, ouais, Chris, il y a 20 ans, faut pas qu'il capote dessus. Fait que j'avais décidé de sortir ce côté-là un petit peu de Guillaume, tu sais, que je suivais depuis qu'il avait 14 ans. Quand il jouait ici pour les riverains, moi, je demeure à côté ici, là, ça fait que j'étais à la prairie, ça fait que c'est tout près, tu sais. Puis, honnêtement, je trouvais que les gens étaient injustes avec lui. Puis, quand ils l'ont échangé un pour un pour Benoît Pouliot, je me souviens, j'ai dit en ondes, mais si les gens pensent que Guillaume a été une déception depuis qu'il est arrivé, watch out Benoît Pouliot, parce qu'il était le deuxième espoir en Amérique du Nord après Sidney Crosby, ouais. Benoît Pouliot, cette année-là. Puis, écoute, il n'a pas fait bien ben mieux que ce que Guillaume a fait. Il a été moins blessé, là, tu sais. Mais alors, tu sais, j'ai toujours eu, je le dis là, bien humblement, j'ai toujours eu une bonne relation, je pense, avec ouais. Guillaume. Tu sais, mm-hmm. On a eu la chance de travailler ensemble après, tu sais. Puis j'ai regardé le documentaire. À ce soir, je sais que vous allez en parler tantôt. C'est ouais. vraiment bien fait, c'est vraiment bon. Là, puis, ouais, en fait, une méchante belle job. Je me revoyais dans un stand-up en 2006. Je pense que j'étais un peu plus rond d'ailleurs qu'aujourd'hui, où je disais qu'on attendait 3000 spectateurs pour le retour de Guillaume à Drummondville pour le match. C'est drôle, en plus, c'est mon oncle qui a mon chandail. Tu sais, quand ah ouais? Sort... Ouais, le gars qui se retourne, ah ouais. Il avait moi, juste moi, un. Moi qui pensais que tout le monde avait acheté un chandail de la tendresse. C'était mon oncle, je disais, la caméra va te faire filmer, si ça va être bon. Steph, à quel point est-ce que c'est enrichissant? T'sais, on parle de Guillaume et tout. Ça doit être le fun pour toi de voir des jeunes qui sont en train de construire leur futur. T'es en contact direct avec le monde junior. Tu sais, je vais être honnête, là, quand on faisait le repêchage de la Ligue nationale, puis les jeunes arrivaient, puis c'est moi qui avais la chance de faire une entrevue avec eux autres, tu sais, des fois, ça venait me chercher. Tu sais, je sais les efforts que ces jeunes-là ont fait. Tu sais, je me rappelle Pierre-Marc Bouchard, quand il a été repêché, je faisais une entrevue avec. Tu sais, tout le monde disait, il est trop petit, tu sais. Puis, Caroline, j'avais quasiment une larme à l'œil. J'étais un peu un gros émotif, moi, des fois, là, tu sais, puis j'avais quasiment une larme à l'œil quand il a été repêché par Minnesota. Puis, j'étais allé couvrir son premier match au Minnesota quand il a joué à 18 ans. C'est le fun de voir ces jeunes-là réussir, tu sais, puis d'être réclamés dans la Ligue nationale. Puis aujourd'hui, tu sais, ça fait tellement longtemps que je suis là que les gars que j'ai couverts au repêchage sont rendus coach dans la Ligue junior majeure du Québec, puis leur fils joue présentement. Tu sais. Wow. Il y a six coachs dans la junior majeure en ce moment que j'ai couverts comme joueur. Fait que ça prouve que ça fait un petit bout que je suis là. Puis un paquet de fils, tu sais, je veux dire, Patrick Poulin, je l'ai couvert. Puis là, c'est Sam qui est au Mondial Junior avec l'équipe canadienne, tu sais. Philippe Boucher, je l'ai couvert. Ses fils, ils ont joué pour les Remparts, tu sais. Alors, Yannick Perrault, son fils, qui joue à Sarnia. Tu sais, c'est plein de gars comme ça que j'ai couvert au fil des ans que là, leur fils arrive, là. Ouais, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que les gars de hockey, c'est-tu parce qu'ils passent plus de temps sur la glace? Ben, ou... Tu sais, les joueurs de hockey grandissent, leurs fils grandissent en voyant leur père jouer au hockey. Tu sais, regarde, moi, mon fils, il travaille à RDS, là. Tu sais, je veux dire, ouais. Il a grandi un peu là-dedans. Tu sais, veux pas, je pense que tu as une prédestinée. La semaine passée, dans mon podcast, j'ai fait une entrevue avec le fils d'un recruteur de la Ligue nationale qui commence à être recruteur dans le junior puis dans le junior 3A en ce moment, le fils de Stéphane Pilote, que tu connais, Guillaume. Stéphane Pilote qui a repêché mon frère. Exact, à Val-d'Or. Tu sais, ouais. Quel flair, d'ailleurs. Il a fait un bon pic cette fois-là avec Olivier, tu sais, c'est sûr. Mais, tu sais, je pense que quand tu grandis là-dedans, t'es prédestiné un peu à être dans ce milieu-là. C'est sûr que ça prend le talent, là, surtout pour le hockey, on va se le dire. Là, mais Steph, avant que j'oublie, ton podcast, on peut l'entendre où? Parce que tantôt, je vais l'oublier, puis je veux pas l'oublier, je veux que t'en parles parce que c'est intéressant, puis c'est une vision haute. Ou qu'on t'entend. Ou... C'est la quatrième année que je le fais. Je fais ça une fois par semaine. On enregistre ça le lundi après-midi. C'est pas en direct. C'est mis en ligne généralement vers 15h, 15h30 tous les lundis. Ça s'appelle « Sur la glace ». Alors, c'est un peu pour montrer que les joueurs juniors sont sur la glace avant de devenir professionnels. Puis évidemment, bon, on parle de hockey. On essaie de parler à des espoirs qui sont repêchés du Canadien. Des fois, on lâche un call à un gars aux États-Unis qui appartient aux Canadiens. On fait le tour des trois ligues juniors. On parle du Rocket quand la Ligue américaine joue aussi, bien évidemment. Mm-hmm. Tu sais, ouais. Ça dure à peu près 40-45 minutes. C'est pas déjanté comme vous autres. On prend pas un coup tout le long pendant qu'on fait le... Puis moi, les boys, quand je fais un podcast, je me lève pas pour aller pisser pendant que je l'anime. J'essaie de le faire 45 minutes. Sans... T'as pas la pause à petit coin, là. Hey, nous autres, non. On se lève 2-3 fois, Steph. Ouais, je le sais. Je vous écoute, je le sais. Hey, Steph, tu parles c'est de... sur quelle plateforme? Excuse, Max. C'est sur quelle plateforme, Steph? Ah, c'est sur rds.ca. Puis yeah. Tu peux le télécharger à Apple Podcast. Puis écoute, je suis pas tout au courant, là. Mais c'est sûr que... Ouais, ben c'est... Regarde, moi, je le mets en ligne. Je le donne, puis les gens de chez nous le mettent en ligne. C'est d'abord sur rds.ca, mais je sais que tu peux l'avoir sur le
balado d'Apple. Il rentre à chaque semaine. Non? Nice, good. C'est super là, intéressant. Puis, Steph, on parle de tous tes beaux moments junior et tout ça. Puis là, Guillaume, il me disait, il y a un gars qui a joué junior B puis une bague de la Coupe Memorial. Bantam B. Puis là, t'as ta bague, là. Ouais, je l'ai même sorti. Je ne sais pas si vous allez être capable de la voir un peu. C'est la bague des Prédateurs de Granby en 96. c'est la même que Francis Bouillon, Georges Larac, puis tout ça. T'sais. C'est que pour vous expliquer, c'est que non, je ne jouais pas avec eux. Aujourd'hui, et 25 ans plus tard, quand les gens me demandent, je dis c'était vidéo coach. T'sais, je faisais des vidéos de motivation. Parce que dans ce temps-là, c'était encore l'époque des cassettes VHS. Ouais. Puis Bob Hartley, qui avait coaché à Laval avec Michel Therrien au début des années 90, puis les frères Morissette, qui étaient propriétaires, étaient bien forts sur quelque chose qui est bien normal aujourd'hui, mais qui a 25-30 ans, qui n'existait pas autant, les vidéos de motivation. Tu sais, Bob Hartley me disait toujours, Steph, toi, tu as des images à RDS, fais-moi un montage, là, coupe de but, une coupe d'arrêt, une coupe de tapes à gueule, parce qu'évidemment, il y avait des tapes à gueule à Laval dans ce temps-là, pas mal, tu sais. On faisait un petit montage de musique avec Simply the Best de Tina Turner, puis les gars, ils se pompaient avec ça dans la chambre avant d'embarquer sur la glace. Les frères Morissette à Laval croyaient beaucoup à ça, fait que Michel Therrien, quand il est arrivé à Granby, mais j'en ai fait pour plusieurs équipes, là. Je veux dire, Normand Flynn, il coachait à Saint-Hyacinthe, j'en ai fait. Alain Rajotte coachait à Granby, j'en ai fait, tu sais. Mais les frères Morissette croyaient beaucoup à ça. Fait que quand Granby a gagné la Coupe du Président en 96, pour s'en aller à la Coupe Memorial, ça faisait 25 ans, comme vous savez, que le Québec n'avait pas gagné. Puis là, les frères Morissette, Steph, ça nous prend une autre cassette. Là. Ça nous prend une cassette, une bonne. Mets-nous du Guy Lafleur en 71 là-dedans. Tu sais, la Coupe Memorial, la dernière qui a été gagnée. Puis, fait que j'avais pas grand temps pour faire ça parce qu'entre la Coupe du Président et la Coupe Memorial, j'avais dit à la blague à Georges Morissette, un des frères, j'avais juste averti, si vous gagnez la Coupe Memorial, je veux une bague. Mais moi, c'était vraiment une joke. Là. Tu sais, je veux dire, c'était pas. Mais maudit, quand ils ont gagné, la semaine après, ils ont fait la parade, ils m'ont emmené dans le bureau, ils ont dit, prends ta mesure. Là, je dis, non, on ne peut pas faire ça, tu sais. Puis j'ai eu une bague, mon nom est dessus, tout. C'est un souvenir c'est cool, incroyable que j'ai. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que je ne faisais pas partie de l'équipe, mais tu sais, pour eux autres, puis les boys, ils me parlent encore souvent, les gars de cette équipe-là qui ont gagné, quand je les croise, ils me parlent souvent du vidéo, là, tu sais. Puis après qu'ils aient gagné, je leur en ai refait un autre sur la finale, tu sais, avec la musique, évidemment, pompante. Puis c'est disponible sur YouTube. Je pense que si les gens tapent, là, Prédateur de Granby, montage sur YouTube, ils vont être capables de trouver ça. Ça vient de là. Je pense justement, ces vidéos-là, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui où il y a plein de vidéos, puis qu'on peut regarder les games, puis revoir tout dans ton temps. Quand tu faisais un reportage, si tu mettais des clips, tu pouvais te mettre dans la marde parce que c'était pas accessible pour la Ligue, right? C'est bon que tu parles de ça, parce que ça, j'en ai bien des anecdotes, mais celle-là, je ne l'ai pas toujours comptée. Alors, je vais la raconter. On se déplaçait, journaliste et une caméra au match junior, tu sais, quand c'était pas présenté sur la web et tout ça. Fait que mon caméraman, j'ai eu entre autres Paul Buisson, le regretté Paul, avec qui j'ai tourné moi aussi, comme Luc parlait la semaine passée, mais plein d'autres aussi. Les gars, ils filment une caméra. Fait qu'évidemment, des fois, là, quand il y a un cheap shot, un coup de bâton en arrière, s'il n'est pas dans le champ de la caméra, tu ne peux pas le montrer aux nouvelles. S'il est dans le champ de la caméra, tu peux le montrer. Ce qui se passait, c'était ceci. On allait plus souvent au match à Laval, à Saint-Hyacinthe, à Granby, qui était plus proche, qu'on allait au match à Rimouski ou dans les Maritimes, c'est bien évident. Fait qu'on avait plus souvent les images des matchs de Laval, puis de Granby, puis tout ça. Alors, quand il se passait de quoi dans ces matchs-là, la Ligue utilisait des fois nos images à nous pour suspendre un gars. Fait que là, il y avait de la pression sur le caméraman d'être sûr de pogner l'image en question. Puis c'est toujours moi qui avais la décision finale. Je le mets-tu dans le montage ou je le mets pas aux nouvelles à soir à Sport 30? Si je le mets pas, personne ne va en parler si la caméra de l'équipe ne l'a pas pogné dans son champ de vision. Et c'est arrivé des fois que la caméra de l'équipe ne l'avait pas pris et que là, on se servait de la caméra d'RDS pour suspendre un joueur. Fait qu'évidemment, quand ça arrivait, le lendemain, j'avais un comité d'accueil quand je retournais au match de l'équipe. Les frères Morissette, que j'aime beaucoup, c'est déjà arrivé une fois que j'ai mis par souci d'équité, parce que moi, je pense qu'il faut être honnête. Il y avait un de leurs joueurs à Granby qui avait sacré un coup de bâton, puis on l'a mis dans le montage. Le caméraman l'avait bien pogné. Écoute, je me suis fait attendre par les frères Morissette. T'es pas correct, Casti. On a un gars suspendu par ta faute. T'étais pas obligé de le mettre dans le montage. Puis tout ça. Fait qu'à un certain moment, j'avais appelé la Ligue junior majeure en 96-97 pour dire là, ça n'a pas de bon sens. Là. On a de la pression. Si on le pogne pas, si on le met pas. Vous ne devriez seulement que vous fiez aux cassettes d'équipe.
That's it. Ils ont dit, c'est pas fou, Stéphane, on va faire ça. Puis là, mon chum Normand Flynn, aujourd'hui, qui est maintenant mon collègue RDS, qui coachait Saint-Hyacinthe cette année-là. Ça, je le trace pas. Écoute bien ça, ça ne reviendra pas. Georges Larac, il joue encore pour Saint-Hyacinthe avant d'être échangé à Granby. Puis évidemment, Granby a la grosse équipe cette année-là. Fait que Normand, il dit un soir à Georges, OK, tu pars, là, puis tu me fais le ménage. Fait que Georges, il part, puis badagne un petit là, puis badagne un petit là, puis un coup de poing à l'autre, puis tout ça. T'sais. Moi, j'ai tout ça sur ma caméra. On le montre aux nouvelles, tu sais. Mais quand la caméra, on réquisitionne la cassette de l'équipe pour pouvoir suspendre parce qu'on ne peut pas se fier à ce qui se passe aux nouvelles, Normand, il avait mis une belle tempête de neige à la place de sa cassette vidéo, à la place de l'endroit où il y avait. Fait quand il avait envoyé sa cassette à la Ligue, il n'y avait pas les agressions de Larac. Fait que Larac n'a pas été suspendu, même si tout le monde en province voyait ce qu'il avait fait comme carnage. Tu sais, c'était du folklore un peu. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Tu sais, on attrape ça. Tout. Tu sais. Mais dans ce temps-là, c'était quelque chose de... Tu sais, on avait une certaine pression. Puis même mon caméraman, j'ai déjà vu un de mes caméramans se faire dire « Hey, l'as-tu pogné là, le coup de bâton? » Puis tout ça, tu sais. Puis là, mon caméraman, des fois, c'était pas parce qu'il ne voulait pas le pogner, c'est parce qu'il suivait la rondelle, puis le coup de bâton est arrivé en arrière, tu sais. Alors, c'était comme ça un peu que ça se passait. Écoute, Normand, là, dans le temps, je vais vous donner une idée, pour faire suspendre un joueur, il est déjà parti de Saint-Hyacinthe à 11h le soir avec sa cassette VHS pour aller la porter dans la boîte aux lettres de M. Filion à Québec, qui était le préfet de discipline, pour qu'il puisse regarder la cassette le lendemain matin en se réveillant pour pouvoir suspendre le joueur pour la game du lendemain. Il n'y avait pas d'Internet, là, je veux dire, pour avoir les images. Oui. Fait que, le temps que tu envoies la cassette par un courrier puis tout ça, ça va prendre 3 jours. Puis là, la game était le lendemain. Normand, il est revenu chez eux à 4-5 heures du matin après avoir été porté à cassette à Québec dans la boîte aux lettres de M. Filion. T'sais, c'était comme ça que ça fonctionnait. Ça je veux dire, quand pas je d'allure, ça. Quand je compte ça aujourd'hui aux gens, ils disent, voyons donc, je dis, mais oui, c'était comme ça. T'sais, je veux dire, il y avait des affaires qui se passaient, là, mais... On avait, entre guillemets, une certaine pression au niveau de nous RDS. Il n'y avait pas d'autres vraiment canaux de sport. Il y avait TQS en faisant un peu dans le temps, tu sais, qui présentait des fessayants de hockey junior comme nous, on en faisait. Tu sais. Alors, ça nous mettait un petit peu dans le trouble des fois. Là. Puis la game a changé, Steph, pas mal. Tu sais, tu parles du VHS puis tout ça. Puis dans le temps, quand tu couvrais le repêchage, c'était pas facile. C'était pas la même affaire pantoute. Là. C'était un petit peu plus facile d'accès. J'ai déjà raconté, Max... Dans les années 90, RDS avait les droits à l'époque de présenter le repêchage de la Ligue nationale et on nous donnait la permission de circuler entre les tables. Tu sais, je veux dire, comme journaliste, moi, j'étais sur le plancher, on circulait entre les tables. Puis... Fait que moi, évidemment, je connaissais les recruteurs du Québec d'à peu près chaque équipe de la Ligue nationale, puis j'essayais d'aller voir, de prévoir les shots d'avance, puis je me faisais, veux pas, un petit capital avec ça aussi. Puis je me rendais compte que le dépisteur du Québec, auprès de son DG, se faisait du capital aussi en lui donnant mes informations que moi, j'y avais données. Tu sais, on était tous un peu gagnants là-dedans. Fait que la façon que ça fonctionnait, c'est que, on va dire, que je vous donne un exemple, c'est le choix numéro 15, c'est Toronto. Ils écrivent sur le petit papier, parce qu'il n'y avait pas d'informatique dans le temps, ils écrivent sur le petit papier le nom du joueur qu'ils vont repêcher, déchirer la copie, donne ça au petit gars va porter ça en avant. C'est comme ça que ça marchait. Fait que moi, évidemment, je voyais le nom qui était marqué sur le petit papier avant qu'il soit annoncé sur le stage en avant. Fait que j'allais voir la table suivante, numéro 16, puis là, je disais, Toronto, il prend, mettons, Éric Fichaud. Qui c'est que vous prenez? Fait que là, c'était sûr. Oui, je l'ai vu. Fait que là, le dépisteur du Québec disait à son boss, ils prennent Fichaud. Ah oh, ouais, OK, ben nous autres, on va prendre Primo. Okay? Buffalo, mettons, prendre Wade. Ça, c'est les noms que je vous dis, c'est vrai. Là. Oui. Fait que ils prennent Primo. J'étais sûr, ils prennent Primo, oui. Je m'en vais à la table suivante du Canadien, qui pêche après. Mais Toronto n'a pas encore annoncé son choix en haut, là. Tu sais, moi, je suis comme 2 choix en avant tout le temps. Fait que là, je dis aux Canadiens, Toronto prennent Fichaud, eux autres, ils prennent Primo, qu'est-ce que vous prenez? T'es sûr, tu sais? Ouais. Fait que j'étais toujours comme ça, 2 pics en avant, puis ça nous permettait à la production d'RDS d'aller cibler où les joueurs étaient assis dans les estrades pour les filmer quand ils étaient repêchés, puis tout ça. Il y a une année, Lou Lamoriello, qui a toujours été control freak un peu, il voit que je vois son pic, puis je prends mon petit micro, je ne vais pas en onde, je dis à mon petit micro à ma gang dans le camion, ils prennent, je ne me souviens pas tel joueur, tu sais. C'était à Saint-Louis en 96. Ils prennent tel joueur. T'sais. Lui, il est sûr que j'ai dit leur pic en onde. Sûr. Là, il se lève, s'en va chercher le gars de la Ligue nationale en avant. Écoute, je me suis fait escorter dehors du plancher, je me suis fait expulser. Il était sûr. J'avais beau essayer d'y expliquer que si j'avais rien fait de mal, que j'avais juste averti mon camion de production, il ne voulait rien savoir. Il a fallu que Dom Vanelli, qui était notre boss, essaie en bas sur le plancher et qu'il dise hey, calmez-vous, là, tu sais, on va faire attention. Puis en 98 ou en 99, ils ont dit OK, les boys, vous n'avez plus le droit de vous promener entre les tables, on vous attache en avant, puis on va vous les donner, nous autres, les choix. Ça devient tout informatisé. Puis
Mais c'est correct, pareil, Steph. Oui, oui, c'est correct, mais c'était tellement le fun. Là. C'était tellement, tellement le fun. J'ai une anecdote là-dessus, elle n'est pas de moi, mais j'aime ça à compter, puis je pense que vous allez la rire, les boys. Là. Il y a une année, Alain Crête est avec moi sur le plancher, puis on fait un job à deux un peu. Là, c'est le tour du Canadien à repêcher. Je pense qu'ils ont le 11e choix cette année-là, c'est en 97. Puis là, Alain, il fait comme moi, il se penche au-dessus de la tête en essayant de voir le petit papier. T'sais. Puis là, moi, je suis un petit peu plus loin, je reviens. Puis là, il me regarde, il dit, ils prennent Eric Hutter. Fait que là, je dis, qui? Eric Hutter. Écoute, c'est un nom qu'on n'a pas sur les listes, personne. Là. Il n'y a pas un joueur de hockey qui s'appelle comme ça. Puis, voyons donc, Eric Hutter, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Puis là, les gars dans le camion qui font la production, ils cherchent, puis ils ne trouvent pas ça nulle part. Moi, je regarde Alain, puis je dis, Alain, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je me promène dans l'entour de la table du Canadien, puis j'essaye de voir la copie qu'ils ont gardée. Je finis par voir la feuille. Écoutez, le Canadien prenait Jason Ward des Erie Otters. Mais Alain, il avait confondu le nom de l'équipe avec le nom du joueur. Mais croyez-les, croyez-les pas, tout le temps que Jason Ward a joué à Montréal, on disait toujours à Alain, « Hey, Eric Hutter, il y a une bonne game à soir. » il a été rebaptisé. Non, je l'ai déjà compté, celle-là, puis Alain, il a ri, il trouve toujours drôle. À chaque fois qu'on parle de Jason Ward, c'est toujours Eric Hutter. Asti, c'est bon. Ouais, c'est mais là, mais t'as eu un scoop à m'amener relié à Matt Sundin qui t'a mis, t'avais la poche bleue, là. Ben écoute, 94, tu sais, je suis quand même un jeune qui commence. J'ai 3-4 ans de métier, puis couvrir la Ligue nationale, tu sais, c'est quand même impressionnant le repêchage. Puis cette année-là, c'est le repêchage des Nordiques quand ils ont échangé Matt Sundin contre Wendell Clark. Là. C'était une grosse transaction. Tu sais, trois joueurs de chaque côté, premier choix qui inversait. Puis on est rendu, les Nordiques parlent 10e, puis c'est en 94 à Hartford. Puis les Nordiques parlent 10e, on est rendu au 4e choix. Puis à un certain moment, notre patron, Guillaume Charles Perrault, est avec moi sur le plancher. Puis il me dit, gars, Stéphane, il dit, les deux PR là-bas, Toronto, Québec, ils ont une feuille dans les mains. Puis il dit, je pense que j'ai vu des noms dessus, mais je ne suis pas sûr, tu sais. Fait que moi, je m'avance par en arrière, puis je m'en vais au-dessus de leur épaule pour regarder les deux feuilles. Je me suis dit, il va peut-être me faire mettre dehors, mais au moins, il va savoir c'est quoi, tu sais. Puis là, je vois les noms, là, Sylvain Lefebvre, Matt Sundin, Wendell Clark, Garth Butcher. C'était gros comme trade, tu sais. Fait que là, écoute, je shake de même, puis là, je dis, il faut que j'aille en onde, puis je dis ce que j'ai vu ça. Puis à cette époque-là, là, comprenez-moi bien, il n'y a pas de médias sociaux, il n'y a pas d'Internet, la nouvelle ne voyage pas comme aujourd'hui. Là. Personne, mais personne n'a parlé de ça. Il n'y a aucune rumeur que Québec va échanger Matt Sundin. C'est... Alors, moi, je m'en vais en onde, j'avais Claude Mayotte, je vais toujours m'en rappeler. On a repassé un petit reportage là-dessus, je pense, l'année passée au repêchage, j'en shake de même. Là, j'annonce au Québec au complet, qui regarde le repêchage, que les Nordiques vont échanger Matt Sundin, entre autres, contre Wendell Clark. Et là, écoute, les radios de Québec sont sur place. Les boys, soyez sérieux, arrêtez de faire des niaiseries, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Et là, je me souviens très bien d'être parti, toujours un petit peu pour vouloir me faire un petit peu de capital politique, puis d'être allé à la table du Canadien, puis d'avoir dit à Serge Chavard, qui était DG, Serge Chavard, là, c'est un monsieur intimidant, Guillaume, tu l'as déjà rencontré. Là, tu lui donnes la main, ta paire. Là, c'est un gros monsieur. Puis, ça, puis on a là, des, des bonnes pattes. Là, je me penche à côté, puis je dis à Serge, « Serge, les Nordiques vont échanger Matt Sundin contre Wendell Clark. » Et là, il me regarde là, en voulant dire, « T'es qui, toi, Collier? » C'était quasiment ça que ça voulait dire. Je vous le dis, je l'ai vu sur une feuille. Et là, le 5e choix passe, le 6e choix passe. Tu sais comment c'est long, le repêchage, la première ronde, le 7e. T'sais, ça a pris au moins une demi-heure avant qu'on arrive au choix de Québec. T'sais. Puis finalement, Gary Bettman annonce « We have a trade ». Puis là, il annonce exactement l'échange comme je l'ai dit. Mais je ne sais pas si vous le savez, là, mais là, avec ça, tu gagnes beaucoup de… Premièrement, tu te dis, la prochaine fois que je vais annoncer quelque chose, les gens vont dire « Chris, il a annoncé Sundin ». Parce que tu sais, si tu annonces de quoi comme ça, puis tu te trompes, là. Mais après ça, la fois d'après que tu annonces de quoi, ben, ils vont dire « Ah, l'autre jour, il s'est trompé ». Puis j'ai gagné le respect de M. Serge Chavard cette fois-là. Là, d'une... Parce que quand je suis repassé proche de sa table, il m'a fait un signe de la tête en voulant dire « tu sais, OK, merci, là, j'ai compris que tu avais… » Cette année-là, je n'ai eu deux, trois comme ça. Là. Les Nordiques avaient changé, avaient été chercher Uwe Krupp aussi. Là, écoute, c'était une soirée, là, tu sais, la soirée de ta vie. Là, comme un joueur de hockey qui compte 5 buts. Là. Moi, ce soir-là, le repêchage de 94. Non, c'est déjà. le repêchage de 94, là, c'est comme si j'avais compté 5 buts ce soir-là. Là. C'était vraiment. Là... Dans le fond, c'était un 3 semaines à max. Ouais, ben, penses-tu écoute, que c'est ça qui a construit ton futur d'une certaine façon? Ça l'aide. Tu sais, je veux dire, ça fait partie, tu gagnes en confiance, tu sais, puis moi, j'avais commencé à suivre le hockey junior, tu sais, dans mes années que j'étudiais à Jonquière, au Saguenay, tu sais, puis je suivais les Saguenayens, puis quand je suis arrivé à RDS, j'ai commencé à faire ça, fait que j'étais reconnu comme le gars qui connaissait les joueurs juniors, puis
cette année-là, la même année, 94-95, ça a été l'année du lockout. Il n'y a pas eu de hockey avant janvier cette année-là non plus. Fait qu'à RDS, c'est là qu'on s'est dit, il faut remplir notre bulletin de nouvelles. Ça, on va faire du junior à temps plein. Puis là, j'étais partout. Puis quand le hockey a recommencé en janvier, les patrons, ils ont dit, Caline, ça serait plate d'enlever ça. T'sais, on a développé quelque chose depuis le début de saison. Fait que j'ai continué à en faire un petit peu moins, mais j'ai toujours continué à en faire pareil. Fait que j'ai commencé RDS en 90, mais le junior à temps plein, là, c'est, je dirais, 94-95 que ça a parti. Puis, écoute, j'ai pas manqué une Coupe Memorial depuis 91. Championnat du monde, je n'ai pas manqué un depuis 99. Des moments incroyables. Je suis vraiment privilégié. Puis ça, je voulais en parler. Excuse-moi, Guy. On mentionnait aujourd'hui dans nos discussions. Steph, on parle souvent des beaux moments dans une carrière, puis ça, mais... Tu manquais beaucoup de temps avec tes enfants puis tout ça à cause que tu allais justement au championnat du monde pendant le temps des fêtes. Là. Ben, écoute, les temps des fêtes, pour moi, chez nous, là, c'est comme je disais tantôt, on se faisait toujours un petit party le 21, le 22 décembre parce que dépendamment des années où le tournoi avait lieu, des fois, je partais le 23, le 24, tu t'en vas en Suède ou en Russie. Ou... Fait que le Noël, nous autres, c'était toujours 21, 22. Quand les enfants étaient plus jeunes, je ne vous cache pas que c'était plus difficile. T'sais, j'ai deux enfants assez rapprochés qui aujourd'hui ont 25 et 23 ans, mais qui dans le temps avaient 5 ans, 6 ans, l'âge de tes enfants, Maxime. Là, t'sais, pis tu pars tout le temps à Noël, c'est sûr que c'est pas facile, mais ils ont été élevés là-dedans. C'était comme leur routine. T'sais. Puis moi, je disais toujours, je me reprends l'été. T'sais, j'ai 2 mois de vacances l'été, fait que l'été, je suis plus là. T'sais, ma fille, c'est encore pire en plus parce que je n'étais pas là à Noël, puis je n'étais jamais là à sa fête le 21 mai non plus parce que c'était trop la Coupe Memorial. Mm-hmm. Fait que elle n'a jamais eu son père ni à Noël ni à sa fête. T'sais. Là, aujourd'hui, elle est plus vieille, c'est pas grave. Mais j'essayais toujours de me reprendre quand même après. Puis je pense qu'ils n'en ont pas trop souffert. Puis honnêtement, je me suis souvent demandé au fil des ans, je vais-tu le regretter un jour d'avoir manqué ça? Puis sincèrement, je suis honnête, là, non, je pense que ça a fait partie de ma vie. T'sais, ça a été. C'est cette tangente-là que ma job a pris à la fin des années 90. Puis. Je me considère tellement chanceux. Tu sais, je veux dire, ce tournoi-là, en plus, tu sais, Guillaume, il l'a vécu comme spectateur, comme je disais tantôt, là, mais il y a toujours des beaux moments qui se passent. Tu sais, je veux dire, les buts de Jordan Eberle, les arrêts. J'étais drôle en crise pendant au tournoi, Steph. Mais oui, mais tu étais un super bon client pour les entrevues aussi. Là, tu sais, je veux dire, c'était. Toi, tu cherchais des topos, même. Ah non, écoute, c'était... Non, mais Guillaume, il a une attitude exemplaire. Tu sais, c'est quelque chose à retenir de ça. C'est que quand tu ne fais pas partie du party, comme on dit, il ne faut pas que tu fuck le party des autres. Tu sais, c'est quelque part, il faut que tu sois un bon coéquipier. Tu sais, puis, hey, man, je chantais, je te dis, là, Max, on faisait des entrevues. Moi, j'étais avec Steph. On essayait de trouver. Non, pour vrai, pour les gens qui écoutent, là, tu sais, c'est la première fois de ma vie que je revenais du camp du Canadien. J'étais au World Junior, je suis tassé. Puis justement, faut pas que je fuck le party. Là, je me retrouvais qu'on faisait les médias, je me présentais devant, j'essayais de trouver des jokes avec Tiluc Bourdon. J'ai regretté aussi que j'embrasse, mais tu essaies de trouver des idées et des affaires drôles. Puis après ça, dans l'autobus, quand on revenait pour aller à l'hôtel, c'était à Vancouver. Puis Vancouver, tu sais comment c'est, Max, ça prenait que 40 minutes à rendre à l'hôtel. Puis là, je chantais tout le temps Lou Béga. Dans l'autobus, les gars capotaient. Monica, les gars, ils riaient, man. Brent Sutter était comme ce gars-là, je le crisse sur le banc, il rentre dans l'autobus puis il chante. Ouais. C'est comme... ouais. Puis t'as pas dit, Guillaume, comment il te surnommait, Brent Sutter, pendant le tournoi? All Alphabet. All Alphabet. T'as pas capable de prononcer son nom, tu sais, mais Brent, honnêtement, tu sais, il était un peu anti-Québécois. Il était un peu pas mal anti-Québécois parce qu'en 2014, il est revenu coach de l'équipe. Écoute, ses 3 meilleurs joueurs cette année-là, là, dans son équipe en 2014, c'est Anthony Manta, Jonathan Drouin, Charles Hudon. C'est ces 3 gars-là qui sont d'ailleurs, Manta a fini premier compteur, Drouin était pas loin deuxième. Puis, on dirait que ça y rentrait pas dans la tête, Brent, qui était capable de gagner avec 3 Frenchies. C'est plate à dire, là, mais c'est ça. Ouais. Tu sais, je veux dire. Puis Ben Grou, qui était assistant coach avec, il dit, c'est pas qu'il nous aime pas, mais dans sa tête, on dirait que ça se peut pas que 3 Frenchies puissent le faire gagner. Tu sais. Je me rappelle encore très bien, là, il y avait toujours Manta à gauche, Drouin au centre, puis à droite, il alternait son ailier droit. Des fois, c'était Charles Hudon, des fois, c'était un nommé Taylor Lear. Je sais pas si vous le connaissez, là. Il joue en. Mais tu sais, c'était un gros gars de la Ligue de l'Ouest. Mais comment t'expliques ça qu'une équipe de hockey, l'alternance, ça se fait sur le premier trio? Ton meilleur joueur de centre joue jamais avec le même ailier droit. Ça n'a aucun sens, ça. Il a embarqué un coup Hudon, un coup Lear. Puis c'était Hudon le meilleur des deux. Mais créez-les, créez-les pas. Finale de la médaille de bronze, parce que le Canada a perdu la demi-finale, joue pour le bronze. Perdre 2-1, il reste une minute à jouer dans le game. On retire. Zach Foucalé, le gardien de but, pour embarquer un 6e attaquant. Qui sait qui saute sa glace? Taylor Lear, qui n'avait pas un but dans le tournoi.
Puis Anthony Manta m'avait dit, je ne sais pas si ça me rappelle, mais il ne l'a pas dit à la caméra. Manta, il dit, j'avais la rondelle dans le coin. Il dit, quand je me suis retourné, j'ai vu, c'est lui qui sautait sa glace comme sixième. Il dit, je me suis dit, c'est ça. Tu sais, mais Brand, c'était ça. Tu sais, je veux dire, c'était. Et on a fini, Canada finit quatrième cette année-là. Ah non, c'est exactement. Puis je voulais pas revenir sur des histoires de World Junior parce qu'on parlait de famille. Puis ça m'intéresse. Est-ce que quand tu sais, ton gars à Star, il fait les RDS Red Zone pendant 7 heures en onde. Ouais. Martin Lemay, il commence vraiment à prendre sa place. Puis est-ce que comme père, dans la réalité des réseaux sociaux, dans la réalité de la nouvelle qui va vite, puis de la game où ce qu'elle est rendue, ça te fait-tu peur que ton gars rentre dans ce jungle-là? Ben, je pense qu'il y a une crainte un petit peu, là, mais tu sais, il est armé pour ça, je pense. T'sais, je veux dire, il a commencé là-dedans, il a été élevé là-dedans dans les médias sociaux. Tu sais, mais il est bien plus vite que moi, Instagram, je veux pas ça. Mm-hmm. Tu sais, j'ai un compte Twitter, Facebook un petit peu. Tu sais, pis... t'as tagué tout à l'heure Instagram, puis c'était comme... Non, je suis pas là. J'existe pas Instagram, c'est ça. Puis peut-être qu'un jour, j'irai, tu sais, mais lui, il est élevé là-dedans. Tu sais, ouais. C'est sa génération, puis tout ça. Puis il s'adapte pas mal plus. C'est sûr qu'il faut que tu sois prudent, là, tu sais. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont lui dire, on sait bien ton père, tu sais. T'es le fils de, là. Tu sais, c'est plate, tu sais, comme Olivier, c'est le frère de, tu sais, je veux dire, c'est pas le fun dans ça. Mais moi, j'ai toujours dit, tu sais, arrange-toi pour que les gens disent pas ça. Tu sais, je veux dire, il est bien en avance sur moi au même âge. Tu sais, au hockey, on dit ça des fois, Guillaume, d'un joueur, hey, à 16 ans, il est bien meilleur que lui au même âge, tu sais. Ben, tu sais, il vient d'avoir 25 ans. Tu sais, ça fait déjà 6-7 ans là, qu'il travaille dans les médias radio, puis des chroniques avec Ron Fournier, puis à RDS, puis tout ça. Moi, j'ai commencé à 23, puis je suis parti de zéro, là, je veux dire, j'avais rien, tu sais. Alors, tu sais, il y a une bonne base, là, tu sais. Il va faire des matchs du championnat du monde avec nous autres dans le temps des fêtes. Il a décrit des games de baseball, des playoffs l'autre jour, tu sais. Il fait du football avec Martin Lemay. Tu sais, c'est un méchant contrat, ça, 7 heures de temps. Non, pas de fausse commerciale, là. Pas de pipi, là. Vous autres, vous allez faire pipi, là. Lui, mais ils font quoi? Parce que là, on a entendu Kim Clavel qui nous disait qu'elle a juste fait pipi sur le plancher. Non, mais écoute, je pense. Écoute, non, mais nous autres, on a eu André Roy qui a pissé dans le coin de la pièce, là. Ouais, dans un sac de chips. Oui, je l'ai entendu, je sais. Mais écoute, je pense qu'à date, là, en 12 semaines, c'est arrivé une fois qu'il est parti là, 2 minutes, puis que c'est Martin qui a parlé pendant 2 minutes. Là. Mais sinon, je pense qu'il s'arrange pour aller faire pipi à 1h15 avant que ça commence, puis attendre à 7h30 à la fin. Là. Tu sais, t'as pas le problème, c'est la bière. On a trop de bonnes bières. Ben oui, c'est ça. Vous buvez tout le long du show, tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, vous autres, en plus, vous la recevez. Moi, je n'en reçois pas. Là. Je suis obligé de la payer. Là. Je dis ça de même. Non, mais Steph, nous autres, c'est parce qu'on veut tellement pas que tu aies l'air fou. Tu sais, imagine, tu arrives à notre show, tu es chaud, puis c'est nous autres qui t'a emmené cette bouteille-là. Comment je me sentirais, Steph? Je comprends. Mais je vais vous dire de quoi. Là, je fais une exception parce que c'est bien rare que je prends de l'alcool la semaine. D'ailleurs, je ne suis pas un gros buveur d'alcool. On fait bien des farces. Le gin, je n'haïs pas ça. Là, puis une petite bière. J'en ai déjà pris pas mal, par exemple. Dans mes études à Jonquière, mes chums d'il y a 30 ans, ils diraient que j'en buvais pas mal. Nous autres, notre équipe de hockey, ça s'appelait les éponges. Je vous laisse deviner pourquoi. Là. Puis, je vais vous donner ce qu'on fait. On embarquait ça à Atlas, dans le hockey au cégep, on allait porter un six-pack au banc des punitions. Fait que quand on pognait un 2, ben, on avait une bouteille qui nous attendait là. T'sais, c'était un en peu tout cas, je me souviens d'un tournage qu'on avait fait ensemble au Minnesota. Puis, en tout cas, écoute, il l'avait pas haï. Non, mais Guillaume m'avait emmené dans un restaurant. C'était quoi déjà? De la cuisine fusion? C'était ça, quoi? Je me souviens pas c'était quoi, mais c'était bon. Ton chum qui avait un restaurant, là, moi, j'avais... Écoute, la joke, là, pour le dire, on va raconter, Guillaume, parce qu'elle est correcte, celle-là, tu sais, elle est pas... Moi, je m'en vais au Minnesota pour aller faire un reportage sur l'école Shattuck St. Mary's, tu sais, qui a produit beaucoup de joueurs. Sidney Crosby a joué là, notamment, puis tout ça. Puis on en profite pour aller prendre des nouvelles de Guillaume avec le Wild, qui était encore spectateur, finalement, qui ne jouait pas, là, tu sais. Puis là, je disais à Guillaume, je veux faire une entrevue avec toi. Puis il dit, ben, pas de trouble. Il dit, on va se rejoindre au restaurant. Parfait. Quand j'arrive là, j'étais avec Julie, notre caméraman, tu sais. Fait que Guillaume était là avec sa copine. On s'assoit, puis on commence à manger. Là, on boit, puis on boit, puis on boit. Là, j'ai dit, Guillaume, il rend 11h15. On n'a pas encore fait cette entrevue. Moi, j'ai besoin d'une entrevue avant que tu t'en ailles chez vous. Fait qu'on a fait l'entrevue à peut-être 11h, 11h05 avant de partir du restaurant. Il commençait à être temps un petit peu. Là, Guillaume, il avait les pochettes trop, mais Guillaume, il jouait pas, il était blessé, fait que c'était pas grave. Ça, c'est au deuxième étage, là, tu parles de restaurant à fusion. Je pense que oui, là, mais écoute, j'ai une photo, je l'ai envoyé à Guillaume cette semaine, la photo, là, tu sais, puis, mais c'était une belle soirée, là. Puis, une autre fois, là, anecdote pour anecdote, qui n'a pas rapport un peu, là, mais Guillaume, tu vas t'en rappeler aussi, là, le Shogun à Brossard. Ah oui, c'est bon. Ça. Écoute, c'est extraordinaire. On aurait voulu arranger ça, Guillaume, on n'aurait pas été capable. Non. Sérieux? D'accord. Moi, j'étais avec ma famille.
maman, les deux enfants, dans le temps, Jasmin, il y a quoi, 9 ans, Véro, 7 ans, on est assis au Shogun, les gens sont déjà allés, la cuisine japonaise, ouais. La plaque, c'est des tables de 8 à peu près, t'sais. Fait qu'on est assis 4, puis on n'a pas été servi encore, on attend, parce qu'ils attendent de remplir la table avant de commencer à faire la bouffe. Deux personnes qui arrivent, Guillaume et Annie, qui viennent s'asseoir à notre table. C'est quoi? Il me regarde, qu'est-ce que tu fais là? Puis moi, je dis, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi les chances qu'on se retrouve dans le même restaurant, à la même table, le même soir? On aurait voulu l'arranger, on n'aurait pas été capable. Fait qu'écoute, mon fils est content. Je l'imagine déjà. Tu ne mangeras pas plus que moi ce soir, le roux. Tu lui as donné 6 crevettes à lui. mon fils était content de rencontrer Guillaume, puis ma fille était contente de rencontrer Annie. Fait que mais tu sais, je regardais ça. Tu te souviens, je pense que vous arriviez de jouer au golf, Guillaume, vous aviez eu chaud toute la journée. Là, les gens viennent te manger des photos. Moi, oui, mais les gens viennent demander des photos, des autographes tout le temps. Tu sais, c'est pas évident d'être toujours sur la coche, là, tu sais, puis de. Mais en tout cas, c'était un hasard, mais le hasard avait bien fait les choses là, cette fois-là pour ce souper-là. Là. Ah non, puis là, tu vis tellement des beaux moments dans ton monde, Steph. Puis là, moi et Guillaume, on a discuté de quelque chose aujourd'hui. Tu as déjà eu des parents. Attends, je vais aux toilettes. Ils t'ont demandé de parler plus de leurs jeunes parce que c'était leur année de repêchage. Hey, Steph, je m'en vais aux toilettes, mais nomme pas mon père. OK. Non, mais ton père, t'as pas là-dedans. Non, mais c'est parce qu'on avait Joe Robert sur un des podcasts, puis il nous parlait qu'il y a des parents qui ont demandé de mettre des headphones dans le casque des enfants, puis qui donnaient des indications. Ouais, hey, celle-là, j'en venais pas quand j'ai entendu ça. C'est vrai, je l'ai écouté de l'entrevue, j'en venais pas. Mais moi, oui, j'ai eu des parents, premièrement. Ça serait bon que tu choisisses. Parce que, exemple, l'annonceur maison dans le temps, je donne un exemple, à Laval, disait les 3 étoiles du match de ce soir seront sélectionnées par M. Stéphane Leroux de RDS. T'sais. Fait que là, le parent venait me voir entre la 2 et la 3, puis me dire ça aiderait mon gars s'il était dans les 3 étoiles à soir. Ouais. Je veux dire, non, mais c'est pas une blague, ça. Là. Puis j'ai eu des parents que j'ai été témoin, le marqueur me l'a déjà dit, je ne dirai pas de nom, là, parce que le gars, il est encore un peu dans le hockey aujourd'hui. Là, puis, mais. Le parent, il allait voir le marqueur pour ajouter des passes sur la feuille de pointage en bas. Tu sais, parce qu'à l'époque, tu sais, si un but, mettons, il y a juste une passe dessus et il donnait de l'argent au marqueur. Pour avoir l'extra. Pour avoir la passe en extra. Ben voyons donc. Ça, c'est junior majeur. Aujourd'hui, ça ne se fait plus parce que, comme je vous dis, tout est filmé puis on revise les passes. Il n'y en a plus de passes gratuites aujourd'hui. J'ai déjà fait un reportage dans le temps, les années 2000-2001, sur les gars qui allaient se têter des passes. Dans ton temps, Maxime, c'était pas toi, là, mais dans ton non. temps... Non, définitivement là, pas. Non, mais tu sais comment ça marchait, Max? T'sais, un but compte, là, l'arbitre, il est là, le 32, puis là, t'avais deux gars qui criaient le 14 puis le 28. Fait que là, l'arbitre s'en allait au banc, puis il disait 32, le 14 et 28. Tu sais, ça marchait de même, là. Max, il se têtait des passes, l'arbitre disait « Prends-moi pas point cave. Mais, ils arrêtent de niaiser, toi. Mais j'ai fait un reportage là-dessus une fois. Puis là, il y avait un père qui m'avait écrit qui n'était pas content parce que son fils, j'avais compté que son fils avait eu une passe gratuite dans le topo. Tu sais, je veux dire, puis c'était pas vrai. Puis le gars, il a fini avec 100 points à la fin de l'année, puis n'eût été de ces passes gratuites-là, il n'aurait pas fini avec 100 points. Tu sais. Alors, pour vous donner un exemple, je ne veux pas le dire, ça ne donne à rien. Mais, tu sais, je me souviens très bien, par contre, d'un jeu, puis Antoine Vermette, que j'adore, qui était un de mes préférés, là, c'était un Moses de bon gars, là, puis il était brillant déjà quand il jouait junior. Puis Antoine Vermette jouait pour Victoriaville. Puis le gars, il était arrivé. Écoute, Max, Pierre-André Bureau. Tu as joué avec lui? Premier capitaine, oui. Bon, c'est ça. Pierre-André Bureau lève le bâton d'Antoine Vermette, prend la rondelle et compte. On s'entend que c'est un but sans aide. Oui. Il y a deux passes sur le but. Pourquoi il y a deux passes? Parce qu'il y a des gars qui ont crié pendant que l'arbitre passe à côté. Hey, donne-moi une passe là-dessus. Mais un des gars qui a eu une passe sur ce but-là, il a fait 100 points à la fin de l'année. On s'entend que ce n'est pas un vrai 100 points. Là. Aujourd'hui, ça n'arrive plus parce qu'on revise. Mais j'avais dénoncé ça dans le reportage. Puis même Antoine Vermette disait dans le reportage, ça n'a pas de bon sens. S'il y a deux passes là-dessus, c'est incroyable. C'est mon erreur à moi. Il ne devrait pas avoir de passe. Alors, tu sais, c'est des choses comme ça. Le parent qui me dit, si tu fais un reportage sur mon gars, ça va l'aider. Il y a déjà un agent de joueur qui est venu me voir. Puis il m'a dit, ouais, tu ne fais pas assez de reportages sur mes joueurs à moi. Tu parles juste des joueurs à Bob Sauvé, qui était un agent à l'époque, tu sais, qui avait des clients. Tu sais, c'est pas de même ça marche. Là. Si tu veux, si t'as à 30 à la Ligue nationale, c'est pas parce qu'un journaliste va avoir parlé de toi. Là. C'est pas parce que t'es plus 2 ou moins 2. Tu sais, vous avez été témoin de ça, vous autres, les boys.
Le gars, il est rappelé au banc, son chiffre est fini, mais parce que le joueur part en échappé, hop, il m'a resté sur la glace. Il m'a allé me chercher un plus, ouais. Il score. S'il ne compte pas, je rentre au banc. Tu sais, je veux dire, c'est... T'as jamais fait ça, Guillaume? Jamais fait ça. Un soir, j'ai fait un hat-trick. Andrew Brunette a fini moins 5, dont 3 mauvais changements de Guillaume. Ah ouais? Il voulait me tuer, man. Mais là, Stéphane, il y a une autre anecdote, je voulais que tu nous parles un peu. Tu t'es fait sortir... du plancher de repêchage d'une certaine façon, mais aussi d'un match dans la Ligue américaine à Fredericton. En 91, je suis encore plus jeune, j'ai 24 ans, je m'en vais couvrir un voyage à Fredericton puis à Moncton en deux volets. Je m'en vais couvrir le lanceur Réal Cormier, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, un Acadien qui a lancé pour les Expos puis a lancé pour les Caisses de Saint-Louis. On m'envoie chez lui le mercredi, puis jeudi soir, il y a un match Maple Leafs de Saint-John contre les Canadiens de Fredericton. Donc le club école de Toronto, le club école de Fredericton. Il y avait plein de Québécois. Là. Félix Potvin jouait pour St. John's. Yannick Perrault jouait pour St. John's. Patrice Brisebois jouait pour Fredericton. Gilbert Dionne. Tu sais, 2 ans avant la Coupe Stanley de 93, avec les gars qui étaient dans la Ligue américaine. Fait que moi, Paulin Bordelot est l'entraîneur à Fredericton. Fait que moi, je m'en vais là avec mon caméraman. Puis évidemment, le jeune journaliste, là, 1 an d'expérience. Celle-là est vraiment spectaculaire, je vous le dis. Là. Le responsable de la sécurité de l'aréna à Fredericton, c'est un employé du campus universitaire. Puis, fouillez-moi pourquoi, là, il est en brouille avec l'organisation du Canadien. Il les aime pas. Imagine, Max, là, tu t'en viens faire ton morning skate le matin, tu joues pour Fredericton à 10h, fait que tu arrives à 9h30, tu fais ton morning skate, tu sors dehors à 11h, ton auto s'est fait remorquer. Parce que tu n'étais pas stationné à la bonne place, puis le gars de sécurité il a dit je les remorque. Il sait très bien que c'est vos autos, il n'y a pas un chat dans le building. Le gars, il faisait ça, là, il servait un peu de son autorité avec le. Fait que nous, on est là au match pour filmer, tu sais, puis ça va bien. Là, ça fait 2 périodes qu'on prend des images. Tout à coup, un gars de sécurité arrive pour nous dire « Vous n'avez pas le droit de filmer ici. » Moi, je dis « Comment ça? Là, ça fait 2 périodes qu'on est là. » Il dit « Non, vous n'avez pas le droit. » Mon caméraman qui était avec moi, qui en avait vu d'autres, qui avait 50 ans à l'époque, ben, il dit « Va me chercher le gars qui fait la sécurité. » Écoute, je vous épargne des détails. 3 minutes après, 2 polices arrivent pour nous sortir. Nous expulse de l'aréna en début de 3e période. Hey, on vient de Montréal, on a fait 10 heures de route pour aller à Fredericton tourner des reportages sur les espoirs du Canadien, puis vous nous mettez dehors, tu sais, c'est comme ça, n'a pas de bon sens. Tu sais. Fait que là, je réussis à rentrer dans l'aréna par une autre porte, puis là, je m'en vais voir le gars du Canadien de Fredericton, du marketing, puis j'essaye de dire qu'est-ce qui se passe. Écoute, il s'excuse, il est quasiment à genoux en train de pleurer sur son bureau. Ça n'a pas de bon sens de vous traiter comme ça. Puis c'était l'époque où les gens vont se rappeler en 91 que le lac Meech, puis tu sais, les francophones du Nouveau-Brunswick, il y avait un peu de politique là-dedans, puis ils ne voulaient surtout pas qu'on pense qu'on s'était fait mettre dehors parce qu'on était des Québécois. Fait que on s'en va se coucher à l'hôtel, puis là, évidemment, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de médias sociaux. Le lendemain matin, je rappelle le gars à l'aréna, il dit le président de l'équipe il aimerait ça vous rencontrer pour s'excuser. Le monsieur, il s'appelait Peter Adams à l'époque. Fait que j'arrive là, puis là, on fait une entrevue avec M. Adams qui s'excuse du comportement de son gars de sécurité, que ça n'a pas de bon sens. Pendant qu'on est dans le bureau, le maire de Fredericton appelle. Il s'est fait mettre au courant qu'il y a une équipe de TV qui s'est fait expulser de l'aréna la veille, puis il veut savoir ce qui se passe. Fait que Peter Adams met l'appel sur le main libre, puis il commence à expliquer. Mon caméraman, qui n'était pas gêné, parce que moi, je l'étais pas mal à ce temps-là, j'ai 24 ans, je vous rappelle, tu sais. Mon caméraman, il dit au maire de Fredericton, il s'appelait M. Woodside, je me souviens des noms comme c'était hier. Il dit, on peut-tu aller chez vous pour faire une entrevue, tu sais, pour nous expliquer un peu. Fait que 10 minutes après, on est dans le salon du maire de Fredericton, en one-to-one en entrevue, puis là, M. Woodside s'excuse de... qu'on se soit fait expulser de l'aréna puis tout ça. Mais ce n'est pas fini. Pendant qu'on fait ce chemin pour s'en aller chez M. Woodside, quand on arrive là, il nous dit « Monsieur le premier ministre du Nouveau-Brunswick aimerait aussi ça s'excuser du comportement. » Frank McKenna, premier ministre du Nouveau-Brunswick. Et là, moi, je capote un peu. Là, ça s'en va loin, cette affaire-là. Là, fait qu'à 12:15, on est en one-to-one avec Frank McKenna qui nous parle en français dans son bureau pour nous dire qu'il s'excuse du comportement du M. Lebel de l'aréna de Fredericton. Je vous fais une histoire courte. J'ai pris l'avion à 2h. On a mis le reportage en ondes à 6h30 à Sport 30. Ça a fait les journaux le lendemain. Le lundi, j'ai reçu un fax d'excuses, ça de long. Il n'y a jamais plus eu de problème à l'aréna de Fredericton après qu'on ait passé là. T'sais, mais écoutez, pensez-y. Là, imaginez que François Legault aurait reçu un journaliste de hockey qui s'était fait mettre dehors d'un aréna. C'est incroyable, cette histoire-là. Puis moi, écoute, ça allait trop vite pour moi. Je n'ai pas peur de le dire. C'était mon caméraman qui emmenait large pas mal, qui en avait vu d'autres à l'époque. Mais c'était fou. Là. On a repassé ce reportage-là il n'y a pas longtemps aussi, pour ça faisait 25 ans que c'était arrivé, je pense. Là, c'est, je shakais de même un petit peu. Là, j'espère que tu shakais un peu. Puis, mais ça,
Je trouve ça tellement impressionnant, Steph. Tu sais, dans le sens qu'on pense que le média, tu sais, l'impact du média dans le game, puis le respect qu'on doit avoir parce que, au final, le message qui est, que le gars qui ouvre sa télé, le message qu'il a, c'est quand même ce que le média décide de mettre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ben, le gars qui est, le joueur qui est trou de cul, là, ben, si toi tu décides de le montrer que c'est un trou de cul, il va passer pour un trou de cul en autre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais il y a deux choses là-dedans. Tu as les gens qui font du commentaire, qui ne vont jamais sur le plancher et qui commentent en regardant à la TV et tout ça. Puis tu as les gens comme Luc, comme Chantal, comme moi, qui allons dans les vestiaires et qui prenons le pouls. Tu sais, quand tu es là pour prendre le pouls, tu fais moins de commentaires un peu. Mm-hmm. Tu fais plus donner la nouvelle. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que moi, dans ma position au niveau du hockey junior, je t'ai appelé des fois à donner des commentaires et surtout à faire des prédictions. Tu sais, les prédictions là, au niveau du junior, c'est fatigant. Là, parce que, tu sais, François Gagnon, le RDS, ou Luc Gélina, s'il dit « Moi, je pense que les Rangers vont battre Buffalo en 4. » Mais il n'y a pas personne à Buffalo qui va appeler Luc Gélina pour dire « T'es un trou de cul. » On s'entend-tu? Mais si Leroux, il dit que Victoriaville va perdre en 6 contre Shawinigan, watch out Leroux quand tu arrives à Victoriaville. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà eu besoin de la sécurité pour sortir de l'aréna à Victo une année. Pas de Je dis que les Remparts vont gagner en 5 contre Victo. Je pense que c'était en 2005. Je pense la dernière année avant que Patrick Roy arrive. Tu sais. Je dis Québec en 5. Mais moi, là, je ne prends pas pour Québec quand je dis Québec en 5. Je dis je pense que Québec va gagner. Ton opinion. Si Victo gagne, ils gagneront, c'est bien correct. Tu sais. Mais là, j'arrive ce match-là à Victo. Je pense que c'est le match numéro 4. Victo gagne ce soir-là et prend les devants 3-1 dans la série, 4-7. Fait que là, ma prédiction de Québec en 5, elle va pas bien. Hein? Évidemment, le match est allé en deuxième prolongation. Il y en a une coupe déméchée dans l'aréna. Puis là, je parle de Victo, mais ça aurait pu être n'importe où. Là. Exemple-là, c'est Victo. Écoute, quand je suis descendu de la galerie de presse, là, ça allait pas bien. Je me suis fait pousser. Puis hein, Leroux aussi, Québec en 5, fait chier, hein, puis tout ça. Fait que moi, j'ai rien à voir là-dedans. Là. Moi, j'ai dit, Marc Lachapelle, que vous avez connu quand vous étiez jeune junior, qui est un genre vétéran journaliste, disait toujours cette phrase-là que je lui ai volé. Quand je réussis la prédiction, je dis « je l'avais dit ». Quand je la manque, je dis « je vous ai motivé ». Comme ça, tu t'en sors. Mais tu sais, les gens, ils prennent ça à cœur dans les villes juniors. Là, vous avez joué dans des endroits. Tu sais, Max, à Montréal, c'était peut-être pas aussi, tu sais, qu'exemple, Drummondville ou Val-d'Or, tu sais, mais les gens prennent ça à cœur. Moi, là, je me fais dire... Steph, tu t'en parles quand que je watchais Sidney Crosby à Rimouski puis que je sortais de l'aréna. Ça faisait mal des soirs. Moi, mais moi, quand tu vas dans une ville, moi, je vais dans une ville, partout, ils me disent la même affaire. Hey, tu nous aimes pas, toi, ici, hein? Parce qu'ils retiennent juste un commentaire négatif que tu as dit ou, exemple, une prédiction qui n'était pas en leur faveur. Il y a une madame à Gatineau qui m'a déjà dit, celle-là, je l'ai trouvé très drôle. Ouais, j'ai remarqué ça, là, quand tu parles de Gatineau à TV, tu souris jamais. Moi, j'ai répondu à la madame, je souris jamais, point. Même si c'est pas Gatineau. Hey, à Bécomo, vous parlez de Bécomo tantôt, je sais pas si cette madame-là, elle va être à l'écoute ou elle va être à votre party. Je sais pas si elle va être au party, j'espère pas. Écoute ça, Guillaume. 2014, la finale, Val d'Or, Bécomo. Moi, j'ai fait une prédiction, mais on s'entend que ça va être une série serrée. Là, d'ailleurs, ça s'est réglé en 7, un but d'Anthony Manta. Il restait 50 secondes dans le 7e match, puis Val d'Or a gagné. T'sais. Mais le premier match, Bécomo gagne. À Bécomo. Le deuxième match, Val d'Or gagne, c'est 1-1. Je descends en bas pour aller faire les entrevues, m'en aller dans la zone. Et là, il y a une madame partisane du Drakkar qui me regarde. Je pense, tu dois être content, là. Fait que là, je regarde madame, je suis content pourquoi, là. Bécomo, on sait, tu nous aimes pas, on a perdu, tu dois être content. Ben non, madame, on peut en parler si vous voulez, là, ça me dérange pas, tu sais. Ça me dérange pas qu'est-ce qu'il y a. Moi, Val d'Or, Bécomo, là, moi, je reste à Montréal, puis je prends pas personne, tu sais. Mais les gens ont tendance à s'identifier qu'on est toujours contre eux autres. Si je vais faire 50 bons reportages sur Bécomo, je vais en faire un mauvais, je suis mort. Tu sais, c'est toujours ça, tu sais. Je veux dire, Shawinigan, une fois, tu sais, je rentre dans l'ancienne aréna Jacques Plante. Vous avez joué là, les boys, vous savez comment c'était, tu sais. Le style d'Indien qui venait me pointer quand il bouge plus, l'Indien. Il est dans le coin, là, puis il bouge plus. Mais je rentre à Shawinigan. Moi, j'ai toujours la même façon de travailler, puis c'est avec les années que j'ai développé ça. J'ai une bonne relation avec les coachs. Je vais toujours m'asseoir avec les entraîneurs avant la game. On jase dans le bureau, tu sais. Puis, fait que je rentre, il est 6h20, le match à 7h. Fait que le warm-up commence à 6h30. Je rentre à 6h20, je tourne, je m'en vais dans le petit bureau à Denis Francœur, entraîneur des Cataractes. Je m'assois avec lui, on jase 10 minutes. Parfait, ben bonne game, Denis, on se voit après la game. Je m'en vais à l'autre bord pour aller voir les coachs de Val-d'Or, mais le warm-up est commencé. Fait que les coachs regardent le warm-up sur le banc des joueurs et non dans le bureau en arrière.
C'est que je suis obligé, pour aller parler à Claude Bouchard, qui est coach de Val-d'Or, d'aller au banc. T'sais? Fait que je m'en vais au banc, je commence à jaser avec. Mais là, le monde dans les estrades à Shawinigan, Galé, il parle avec le coach de Val-d'Or. Asti qui est vendu. Il prend pas. Hein? Mais ils savent pas que je viens de passer 10 minutes dans le bureau avec leur coach, eux autres aussi. Tu sais, tu interprètes tellement tout ce que tu veux. Puis aujourd'hui, avec les médias sociaux, écoute, c'est débile. Tu sais, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis parce que ça veille de bord. Tu fais un petit commentaire des fois. Et je me souviens une fois, tu sais, j'avais souligné la façon de la cérémonie qui avait été faite de retrait de chandail. C'était qui? Je me souviens, en tout cas, un retrait de chandail. J'avais fait, waouh, quelle belle cérémonie. Là, le monde embarque. Bien là, eux autres aussi, ils font des belles cérémonies, pas juste eux autres. Tu sais, j'ai pas dit que vous autres n'en faisiez pas des belles. J'ai dit qu'elle était belle, tu sais. Je me suis fait tirer une bouteille d'eau sur la glace à Val-d'Or. Ça, c'est toujours le malaise. Quand l'équipe qui gagne la Coupe du Président gagne sa route. Ouais. Le Weston gagne la finale à Val-d'Or en 2007. David Perron, Jonathan Bernier, le Weston gagne contre Val-d'Or. C'est pas Alak, ça aussi? Non, Alak était plus là. Alak, c'était dans ton temps à toi. Alak, c'est dans mon temps à moi, c'est ouais. Fait que là, le Weston gagne, tu sais. Fait qu'évidemment, je m'en vais sur la glace faire les entrevues. Les mange au doigt, j'arrive à côté, je donne la main, félicitations. Mais tu sais, veux pas, t'as comme une euphorie un peu, il est content, fait que tu souris toi aussi, puis tu donnes la main à Bernier qui est MVP, puis souris. Et là, le monde de Val-d'Or, qui sont dans les estrades, ils sont en beau sacrement que leur équipe ait perdu. Puis là, ils voient, regardez le roux, il est content, là, si, hein, il est avec ses chums de Lewiston en bas, tu sais. Il faut faire la part des choses. On a une job à faire. Je veux dire, je ne prends pas plus pour là. J'essayais de dire aux gens, j'ai reçu une bouteille d'eau ce soir-là. Quelqu'un m'a tiré une bouteille d'eau. Là, j'ai dit au gars, c'est quoi ton problème? Tu es content? Je dis, monsieur, on n'est pas content. Je dis, on aurait peut-être aimé mieux que ce soit un marché québécois qui gagne pour nos cotes d'écoute que Lewiston. Je veux dire, à Lewiston, il n'y a pas grand monde qui va regarder RDS là, pendant la Coupe Memorial. Il n'y a pas de parti pris. Oui, quand on s'en va au championnat du monde junior, on se range derrière le Canada, puis on crie plus fort que le Canada contre un but, c'est normal. Puis oui, quand on s'en va à la Coupe Memorial, on crie plus fort pour l'équipe du Québec. Mais en saison régulière, je ne peux pas me permettre d'être parti pris pour un plus que pour l'autre. Je veux dire, j'ai des contacts dans toutes les équipes, il faut que je garde ça comme ça, sinon je suis mort. Là. Je veux dire, si le coach de Victo, il apprend que je vends des infos à l'autre équipe, je suis mort. Tu sais, je ne peux pas faire ça. Tu sais, alors, on reste neutre, mais des fois, les gens ont tendance à penser qu'on ne l'est pas. En tout cas, je parle pour moi, là. Ça t'es-tu arrivé une fois que tu n'as pas été... T'sais, tu parles du championnat du monde junior ou Coupe Memorial ou autre, que tu n'as pas été neutre ou que tu as célébré ou que tu as fait « Asti, je peux pas le faire, mais je l'ai déjà fait. » No cheering on the press box, c'est toujours ça qu'on dit pour les journalistes. Je veux dire, on n'a pas le droit de... Ben, c'est sûr dire, quand le Canadien score... Ben, moi, personnellement, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Moi, j'ai toujours dit, les gens me demandent, tu prends-tu pour le Canadien? Je ne prends pas pour le Canadien comme tel, mais j'aime ça quand le Canadien gagne parce que c'est de la business qui est bonne pour le Québec. Ouais. Tu sais, les cages au sport qui vous supportent présentement sont bien plus pleines quand le Canadien joue en série que quand ils sont éliminés. Mes chums caméramans, ils ont bien plus de job quand le Canadien fait un long bout de chemin en série. Les médias, en général, on a des meilleurs codes d'écoute quand le Canadien fait du chemin. Fait que pour la business, c'est bon. Mais ceci étant dit, je m'en fous comme dans l'an 40, s'il gagne ou s'il gagne pas, tu sais, je veux dire, c'est comme, qu'est-ce que tu veux, c'est la game, puis il faut que tu respectes la game, tu sais, mais quand on s'en va au championnat du monde junior, puis le Canada se fait sortir en quart de finale, là, hey, c'est longtemps, le 4 puis le 5 janvier, pas de Canada, là, tu sais, je veux dire, c'est arrivé en 2016, tu sais, c'est arrivé, c'est plate dans ce temps-là, tu sais, c'est sûr qu'on veut que le Canada gagne, puis on n'est pas là pour prendre pour les Russes, on va se le dire, mais moi, je ne ferai jamais de description de match où je vais planter, comme j'entends des fois dans le junior majeur. Dans le junior, des fois, c'est pas drôle. Là. Ben non, le descripteur qui plante l'arbitre, puis qui plante le coach l'autre bord, puis il dit en onde, « Hey, maudit tata, tu sais pas coacher. » Je ne ferai jamais ça. Il faut avoir un décorum, puis il faut que ça aille avec la position qu'on a aussi. Je veux dire, pis... Mais non, je pense pas. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était... Tu sais, Guillaume, là, on va être honnête, là, on se connaît bien. Mais tu sais, on ne se tient pas ensemble. Tu sais, je veux dire, on ne va pas prendre une bière ensemble. À moins qu'on arrive à un événement et qu'on est là tous les deux, ça va arriver. Mais tu sais, il y a des journalistes qui vont passer des vacances en Floride chez des joueurs de hockey. Là. Moi, je n'ai jamais fait ça. Là. Un coach que j'ai été prendre un verre avec lui en dehors du hockey, je pense que c'est arrivé deux fois en 30 ans. Nous autres, Steph, c'est plus... Ah, Steph, t'es là. Ben, dis pas qu'on s'est vu. Ouais, c'est ça. on vient de se croiser au Houston. Ben là, Steph, tu parles de moments avec les joueurs puis les coachs puis tout ça, mais t'en as quand même vécu un particulier avec un numéro 87 au Centre Bell, la première fois qu'il est rentré au Centre Bell. Ça, les gens me croient pas des fois quand je raconte ça, là, mais la première fois que Sidney Crosby, dans sa vie, est rentré au Centre Bell, c'était dans ma Mazda protégée. J'avais une belle petite Mazda protégée 2002.
Puis Sidney Crosby, c'est incroyable ça. Sidney Crosby était à Chicoutimi un dimanche après-midi, fin novembre. Puis vous allez la rire celle-là parce qu'elle est vraiment bonne. Il joue un match Rimouski à Chicoutimi, puis je suis là pour couvrir le match. Et on apprend ce dimanche après-midi-là que Crosby va être invité, va faire partie de la liste des joueurs invités au camp de sélection d'équipe Canada Junior à 16 ans. Donc, le lundi, on demande à Rimouski d'amener Crosby au Centre Bell pour la conférence de presse à midi, le lundi midi. Là, le dimanche après-midi, il est à Chicoutimi. Fait que Rimouski, en principe, après le match, ils repartent de Chicoutimi puis ils s'en vont à la maison. Fait que moi, je suis là au match. Puis évidemment, le lendemain, il faut que j'aille à la conférence de presse. Ça fait partie de ma job. Fait que moi, j'offre à l'Océanique. Si vous voulez, je peux amener Sidney demain à la conférence. Moi, je couche à Québec ce soir. Tu sais, je refaisais Chicoutimi-Québec le dimanche soir. J'allais coucher à Québec. Puis le lundi matin, je remontais à Montréal sur la 20 puis tout ça. Fait que Rimouski dit bon, parfait. Fait qu'il débarque Crosby. Puis Yannick Dumais, qui était le responsable des médias de l'Océanique dans ce temps-là, il débarque le coucher à Québec, même hôtel où moi je suis. Le lundi matin, à 8h30, 9h, on se lève, on se donne rendez-vous dans le lobby. Yannick embarque à côté de moi. Sidney, 16 ans, en arrière, on s'en va à Montréal. Là, on est le 1er décembre. Fait que, vous voyez, le 1er décembre, des fois, il vente, puis des fois, il y a des petites tempêtes de glace un peu, puis des fois, c'est glissant le 1er décembre. T'sais. Fait que là, on s'en vient sur la 20. Puis c'est pas beau beau. Honnêtement, là, tu sais, je suis habitué de faire de la route, là, mais il fait pas beau beau, tu sais. Puis là, Sidney, il est en arrière, puis sommeille un petit peu, tu sais, je veux dire, il s'endort un petit peu, somnolent. Là, moi, je dis à Yannick à côté, je dis, Yannick, si on pogne le champ aujourd'hui, on fait le tour des nouvelles au Canada, c'est sûr. C'est ça, t'as pas le choix, là. Donald Dufresne, qui était l'entraîneur de Rimouski dans ce temps-là, il a appelé. Écoute, s'il n'a pas appelé 8 fois pour savoir si on était rendu, il n'a pas appelé une fois. Oui, vous êtes rendu, êtes-vous rendu? Il savait que c'était glissant. Et finalement, on se présente au Centre Bell. Il est peut-être 11h30, la conférence est à midi. On rentre dans le garage. Et c'est la première fois de sa vie que Sidney Crosby a mis les pieds au Centre Bell. C'était pour cette conférence de presse-là où il était invité à 16 ans. Alors moi, j'ai, tu sais, il y avait un jeu à télé avant, le qui dit vrai. Tu sais, tu disais deux mensonges, une vérité, là, c'était quoi? Je l'ai dans le placard. Ouais, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, Sidney Crosby est rentré au Centre Bell la première fois dans ma Mazda protégée. C'est pas un mensonge. C'était quoi sa réaction, Steph? Sans être indiscret, le lui pour lui, rentrer au Centre Bell, on sait gros, comment il l'a. C'était gros. Non, mais pas juste ça. C'est le Canadien, c'était son équipe. Le Canadien, il avait grandi. Son père a été repêché par le Canadien. Ouais. Son père, d'ailleurs, que j'ai déjà amené à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda pour aller voir son fils jouer. Mais il était, pour finir ta question, oui, il était ébahi de rentrer là puis il regardait partout. C'est sûr que c'était pas un match, là, c'était juste une conférence de presse, mais c'était quand même gros. Il avait été se promener sur le bord de la bande puis tout ça. T'sais. Mais la même saison, après les Fêtes, il y a 95 points. On est rendu début février. C'est la pause du match des Étoiles dans la Ligue nationale. Fait que Rimouski joue vendredi Gatineau, samedi Val-d'Or, dimanche Rouyn-Noranda. C'est le swing de 3 games en 3 jours. Fait que c'est ça. Moi, je dis à mes patrons, je devrais peut-être le suivre en fin de semaine. D'après moi, il va pogner 100 points. Il y a 95 puis il y a 3 games à jouer. T'sais. Fait que mes boss, ils me donnent le go. Je m'en vais à Gatineau le vendredi soir. Écoute, il en fait 6 ce soir-là. 101, ça a été réglé ce soir-là. C'est réglé. Mais là, on avait déjà réservé samedi, dimanche, Val-d'Or puis Rouyn. Fait que je vais m'en... Mais là, son père avait pris un avion d'Halifax pour venir voir ce match-là à Gatineau. Et là, il entend dire que je m'en vais à Val-d'Or par Rouyn le lendemain. Fait que je ne connaissais pas le monsieur, puis tout ça. Fait qu'il vient me voir, on se parle un peu. J'ai dit, écoutez, si vous voulez faire la route avec moi, ils vont me faire plaisir, tout ça. Fait que j'ai passé 6 heures de route avec M. Crosby dans l'auto. Il m'a raconté un paquet d'histoires sur Sidney, tu sais, comment il était quand il était petit, tout ça. Puis c'est sûr qu'il y a eu des moments de silence aussi, parce que c'est comme je vais embarquer un gars sur le pouce. Moi, dans le fond, je ne connaissais pas le monsieur. Et je veux dire, je l'ai ramené le lundi matin, je l'ai débarqué à l'aéroport à Dorval, puis il a repris un vol pour Halifax. Puis au début de la saison passée, quand on a retiré le chandail de Crosby à Rimouski, je suis allé pour la cérémonie. Puis évidemment, ses parents étaient là. Puis son père est venu me voir. Il disait, hey, my driver, how you doing? Tu sais, c'est la première affaire qu'il m'a dit quand je suis arrivé. Tu sais, il se souvenait de la ride qu'on avait faite en Abitibi. Les gens l'oublient peut-être, là, mais Guillaume puis il peut témoigner parce qu'il était là. Mais le repêchage de Sidney Crosby, c'était à Val-d'Or. Ouais. C'est là que ça s'est passé. Puis le premier match de Sidney Crosby dans la LHJMQ, la première fois de sa vie où il a porté le numéro 87, parce qu'avant ça, il ne jouait pas que le 87 dans les hockey mineurs. Il a porté le 87 la première fois. C'était un match à Rouyn-Noranda. TSN, à l'époque, tu sais, on n'était pas à l'époque d'aujourd'hui, là, des satellites, de l'Internet, tout ça. C'est en 2003, ça allait moins vite qu'aujourd'hui. Puis avoir des images de l'Abitibi dans ce temps-là, c'était quasiment aussi compliqué qu'avoir des images de la Lune. Tu sais, j'exagère à peine. Puis là, TSN, qui couvrait Crosby, elle nous avait appelé à RDS pour dire... On aimerait ça avoir des images de son premier match à Rouyn-Noranda. Puis là, le patron RDS et Rouyn-Noranda, pas facile, on va essayer.
Puis là, ben, premier match arrive. Après deux périodes, Rimouski perd 3-1, puis il ne se passe rien. Il a compté 3 buts en troisième période à son premier match, puis Rimouski a gagné. La légende Crosby a parti là. Moi, le même, encore pire que ça, 2 semaines avant ça, j'étais descendu à Rimouski faire un reportage avec lui pendant les matchs hors concours. Le 29 août 2003, je m'en vais à Rimouski pour un match hors concours contre Bécomo. On parle encore de Bécomo. Après 2 périodes, il y a 8 points. 3 buts, 5 passes. Il y a 16 ans, là. Il y a 16 ans. Il porte le numéro 23 ce soir-là. Il n'y a pas de nom dans le dos. Je me souviens d'avoir appelé au bureau à RDS et de dire, écoutez, je sais que c'est une game hors concours, là, mais le record de la LHGMQ, il date de 71 et c'est 12 points d'une game. Il y a un 16 ans qui en a 8 ce soir-là après 2 périodes. Sauf qu'au début de la 3, il y a un défenseur de Bécomo qui l'a pincé un peu cheap dans le dos. Puis là, Donald Dufresne l'a retiré de la game. Il n'a quasiment pas joué de la 3e période. Mais Bécomo était tough en tabarnak dans ouais, ces années. Ouais, ouais. Il était parti. 8 points. Il était parti pour faire 8 points après 2 périodes. C'est 4 mois de travail pour moi. Écoute, j'étais ébahi. J'étais ébahi. Puis j'ai fait un reportage ce soir-là en disant 5 prédictions sur Sidney Crosby. Les 5 sont arrivés. Il va être recrue de l'année. Il va jouer à 16 ans au Mondial Junior. Il va être le premier choix de 2005. Là, ce soir-là, c'était la 2. Je l'avais été le voir une fois au tournoi midget de Drummondville. Il n'avait pas compté la game, j'étais allé, mais il se passait de quoi. J'avais été le voir, comme je disais à Guillaume, une fois à Shattuck St. Mary's quand il jouait pour Minnesota là-bas avant de venir dans LHJMQ. C'est le même voyage que j'étais allé au premier match de Pierre-Marc Bouchard. Mm-hmm. Puis là, c'était la 3e fois que je le voyais en personne. Puis j'ai fait comme c'est le meilleur joueur que j'ai vu de loin. Puis le 2e meilleur que j'ai vu dans le junior, c'est Maxime Lapinon. Non, c'est Alexandre. C'est Alexandre Daigle. Moi, Alexandre Daigle, au début, là, je sais que les gens ne disent pas toujours des bonnes choses sur Alexandre Daigle, mais au hockey junior, là, de la ligne bleue au filet. Hey. Là, honnêtement, Steph, là, je vais être honnête, là, Alexandre Daigle, c'est une des situations qui m'insulte le plus. Ouais. Pourquoi, là? Chris, le gars, joue au-dessus de 600 games dans la Ligue nationale. Je ne sais pas si on le sait. Là. Mais Guillaume, à radio, je remplace des fois au 98.5. Ouais. Je remplace comme animateur l'été et tout ça. Puis on avait un sujet, une fois, c'était ça, puis on parlait des gens qui n'ont pas réfuté le fameux terme, le flop. Là. Moi, non plus, flop. Je ne suis pas capable. Là. Moi, ça m'insulte, Asti, quand on met Alexandre Daigle là-dedans. Écoute, moi, je trouve ça... Il a 50 points à 18 ans, Alexandre Daigle, avec un club de dernière place. Oui, il aurait peut-être pu faire plus. Mais il a joué 600 matchs dans la Ligue nationale. Les gens l'oublient, ceux qui ont joué 600. Puis il en a joué 200-300 en Europe aussi. Tu sais, je veux dire, c'est... Ah non, je l'ai revu, Alex. J'étais content de le voir. Ils ont tiré son chandail à Victoriaville il y a 2-3 ans. Là. Puis Vincent Lecavalier, Alexandre Daigle, puis Sidney Crosby déplaçaient les foules extérieures. Ouais. Tu sais, quand il jouait junior, Guillaume, tu te rappelles, les équipes locales faisaient un package. Si tu voulais acheter Rimouski à Gatineau, il fallait que tu achètes 2 autres matchs. Tu ne pouvais pas acheter juste la game Rimouski-Gatineau. Il servait de lui pour vendre plus de billets. Puis Daigle, c'était comme ça dans le temps. Moi, j'ai vu Daigle venir jouer à Saint-Jean-sur-Richelieu, les Lynx, il y avait une équipe dans le temps. Là. Écoute, ça débordait. Là. Tu sais, je veux dire, les gens se déplaçaient pour ces gars-là. Hein, mais tu sais... C'est exactement ça, parce qu'on entend tellement souvent « Ah, ce gars-là, c'est un flop. » Puis je parle pas d'Alexandre, je parle de... je peux aller aussi loin que Louis Leblanc, Chris. Whatever. On est 0.4%, 0.04 qui fait la Ligue nationale de Québécois qui passe, puis on se permet de dire que ces gars-là, c'est des flops. Moi, honnêtement, ça, je trouve ça... Il y a 100 000 joueurs qui s'inscrivent par année au Québec au hockey, qu'on veut faire la Ligue nationale, il y a des joueurs de talent, puis on t'en a vu plus que nous autres, beaucoup, Steph. Ouais. Mais moi, ça, là, c'est quelque chose qui... Ça me fait tellement chier quand j'entends ça. C'est un flop. Non, c'est pas un flop. Il a réussi plus loin que 98% de la population qui a voulu avoir le même rêve. Hey, les boys, pensez juste, puis je parlais des médias sociaux, pensez juste quand le championnat mondial junior arrive. Regardez le traitement qu'on fait à des jeunes qui s'en vont sacrifier leur temps des fêtes pour essayer de gagner une médaille d'or à l'autre bout du monde. Tu sais, Maxime Comtois, ce qui est arrivé il y a 2 ans, là, quand il a manqué de lancer punition, puis tout ça, tu sais, je veux dire, c'est fou, les gars, là, ils sont assis dans le salon en train de manger leur sac de chips et de boire une bière, puis ils critiquent. Puis ce qui est traite maintenant, contrairement à avant, c'est ça qui est important de retenir. Puis les gens qui écoutent, c'est important ce que je vais dire, c'est que maintenant, tu peux atteindre le gars. Tu sais, je veux dire, tu peux atteindre le jeune. Moi, je me rappelle, Pascal Leclerc, quand il était au championnat du monde junior, là, il était en 2002, il a donné 3-4 buts dans la finale, puis il était so-so. Il avait été super bon dans le tournoi, mais dans la finale, ça a moins bien été. Ça commençait les forums de discussion dans ce temps-là, en 2002-2003. Il s'est fait ramasser à grandeur du Canada. Tu sais, le pauvre Marc Vicentin qui a donné 5 buts en 3e période, la finale de 2011, Canada menait 3-0, perdu 5-3. Les gens mettent ton nom. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, Leroux, je suis capable d'en prendre, là, j'ai 50 ans, là. Mais
16, le gars, 17, 18. Écoute bien ça, Max. Là. Le gars, moi et Normand Fine, il se passe une situation. Vous avez joué au hockey longtemps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Deux lancers de punition, c'est la même séquence. Non, je n'ai jamais vu ça. Le gars s'en va. C'est arrivé au championnat du monde junior il y a 2-3 ans. Le gars de la Suisse s'en va. Il se fait accrocher. Il se relève. Puis il se fait raccrocher une deuxième fois. Le règlement de la Fédé internationale, deux lancers de punition, c'est la même séquence. Écoute, moi et Normand Flynn, là, je vais vous le dire, on est mêlés comme des jeux de cartes en onde, on ne sait pas ce qui se passe. Puis là, la façon qu'ils font ça, là, écoute bien ça, ils mettent un gars dans le banc des punitions, puis l'autre va faire lancer punition. Le règlement est le suivant. Si le gars, il compte un but sur le premier lancer de punition, la deuxième infraction devient une punition et non un lancer de punition. Si le gars ne compte pas de but sur le premier lancer de punition, on sort le gars qu'on a assis du banc des punitions, on le fait lancer, puis là, il a le droit à lancer de punition. Écoute, vous avez joué au hockey toute votre vie, vous n'avez jamais vu ça. Moi, j'ai décrit des games de hockey toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Fait qu'on est en onde, moi, puis Normand, puis je vous le dis, là, on est un peu mêlés. On ne sait pas trop ce qui se passe, ça n'arrive jamais, tout le monde est mêlé. Mais si, boire, ce soir-là, là, sur Twitter, j'ai reçu à peu près... Tu sais, le gars sur Twitter, à la rigueur, peut écrire un commentaire du style « Hey, Leroux puis Flynn sont mêlés en esti à ce soir. » Mais non, il écrit hashtag Steph Leroux pour être sûr que je le vois, là. Pour être sûr que je vois qu'il me traite de mêlé en onde. Tu sais? Il aurait pu juste écrire Leroux, il est mêlé, ou dans le temps, ce qu'il aurait dit, il aurait dit à sa femme à côté, sont mêlés ces deux-là à soir, puis on n'aurait jamais entendu parler. Mmh. Et maintenant, les gens, ils viennent te chercher. Tu sais, ils taguent ton nom pour être sûr que tu le vois. Tu sais? Laurent Paquin, l'humoriste, a déjà dit en onde, avant, les gens trouvaient que j'étais un gros épais, à cette heure, ils me l'écrivent sur Twitter. Tu sais, je veux dire, c'est puis, tu sais, à la rigueur, nous autres, on est des adultes, on gagne notre vie, mais des jeunes de 17-18 ans se faire taguer comme ça, là, être obligé de fermer son compte Instagram parce qu'il a manqué un lancer punition, alors que 75% du temps, c'est des arrêts sur les lancers punitions, vous le savez, les boys, là. Tu sais, pas Max. Ouais, non, mais je rajouter là-dessus, je pense que c'est important ce qu'il dit, Steph, parce que. Ouais. Il y en a qui ont la maturité et l'expérience de bien délai avec ça, mais ça devient dangereux. Il y a beaucoup de jeunes que ça les affecte pour leur futur. Puis à un moment donné, il va falloir trouver la bonne réglementation ou trouver le moyen de faire ça de la bonne façon parce que tu ne peux pas juste être un enfant ou pas un enfant, là, mais une personne de 16 ans. On parle de comptoir puis te faire juger aussi, lourdement sur les réseaux sociaux. T'es toujours en train, t'es toujours à la merci de tout ça, t'sais. Puis honnêtement, là, c'est pas évident, c'est pas facile. Puis même pour nous autres, c'est pas facile des fois, quand on se fait atteindre, là, on n'aime pas ça. Là, je veux dire, pour personne qui aime ça, se faire critiquer. T'sais, critique-moi pour quelque chose de constructif, c'est correct. Critiquer pour être gratuit, c'est poche. Non, je veux dire, c'est. Exact. Puis, écoute, dans les médias, il arrive tellement d'affaires, tu sais, que tu dis, tabarnouche, donne. Tu sais, Benoît Brunet, là, quand il était analyste des matchs canadiens, là, il se faisait saucer pas à peu près. Là, j'aurais aimé ça voir 80% du monde qui ont critiqué Benoît Brunet faire sa job. Ben oui, je sais. Mais, tu sais, c'est tellement facile, comme je dis, avec ton sac de chips assis dans ton salon, de critiquer. Ouais. C'est pas... Hey, je sais pas combien de temps qu'il reste, là, mais je voulais juste vous parler de votre chum, Pierre Dagenais. Il est arrivé... J'adore ça. Non, mais je vais vous conter une histoire parce que je sais que Dagenais, c'est un de vos chums. Je ne sais pas s'il va s'en rappeler. Je ne sais pas s'il écoute. Je sais qu'il est là souvent, là, mais ouais. Quand je vous disais tantôt, je remplace des fois sur le Canadien, tu sais, pour un match ou deux parce que Chantal n'est pas disponible ou Luc Gélina ou whatever. Puis là, cette année-là, j'ai frappé le jackpot. En 2004, je gagne le voyage en Arizona quand le Canadien s'en va jouer contre les Coyotes. Explique par exemple, Steph, parce que Chantal puis Luc, se battent un peu pour certains voyages. Hein? Ben oui, c'est sûr qu'il y a des endroits que tu aimes plus que d'autres. T'sais. Moi, si j'étais sur le beat du Canadien, c'est sûr que je me battrais pour Vegas pas mal plus que pour Buffalo, là, on va se le dire. Mais là, cette année-là, je me fais offrir Arizona. Puis écoute, hasard faisant les choses, je pogne le premier match d'Alex Kovalev avec le Canadien. Il vient d'être échangé, d'être acquis par le Canadien. Ça fait qu'écoute, mon histoire est là. Ouais. Mais cette journée-là, ce que les gens ont probablement oublié, vous irez taper sur HockeyDB, vous allez voir, le Canadien avait aussi fait l'acquisition de Jim Dowd. Je ne sais pas si vous avez connu Jim Dowd dans votre carrière. Centre droitier. Ouais, c'est ça. Puis là, évidemment, mon caméraman, il était à la porte du vestiaire du Canadien qui vont embarquer pour le skate de 2h l'après-midi en Arizona. T'sais. Puis au même moment, Jim Dowd arrive comme un gars échangé, là, avec un buggy dans lequel il a sa poche de hockey, sa valise, puis 4-5 bâtons. Fait que mon caméraman filme Jim Dowd qui arrive et qui rentre dans la chambre. Au même moment où Pierre Dagenais, du haut de ses 6 et 4 pas de patin, sort du vestiaire pour s'en aller au skate. Et là, Dagenais voit Jim Dowd passer, 5 et 8, frisé, un peu grisonnant. Il a l'air d'un agent d'assurance. Je ne sais pas si Max peut confirmer. Là, mais... Je pense que j'ai joué avec, Steph. Ah ouais? En tout cas, écoute, il rentre dans la chambre,
Puis là, c'est en 2004, ça, l'histoire que je te conte. Hein. Fait que là, Dagenais, il le regarde passer, puis c'est sûr que dans sa tête, puis Pierre, j'avais une bonne relation avec, j'avais couvert junior majeur ben comme ouais. tous les autres, mais tu sais, il le regarde en voulant dire, c'est qui ce calice? Tu sais, c'est sûr que c'est ça qu'il se dit dans sa tête, tu sais. Mais il s'en va sur la glace, tu sais. Moi, j'envoie mes images dans ce temps-là. On faut aller dans une station de TV à Phoenix. Tu envoies les images à Montréal. J'ai pas connaissance de ce qui se dit à Montréal pendant que moi, je suis à Phoenix. Moi, je fais mon reportage sur Kovalev va jouer sa première game avec les Canadiens. C'est ça, la nouvelle, ce journée-là. Il y a un analyste à Montréal. J'ai jamais... Sincèrement, je vous dirais c'est qui. Je le savais, mais je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas si c'est Gaston, Brunet, Normand Flynn, whatever. Ils sont en train de faire un bloc en ondes à Sport 30 Magazine et ils montent les images. Et là, il y en a un dans la gang, je ne sais pas lequel, qui dit « Regardez la réaction à Pierre Dagenais quand Jim Dodd arrive. On voit qu'il n'est pas content de son acquisition par le Canadien. » Tu sais, il interprète ça, l'analyste en question chez nous, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il y a quelqu'un de la famille Dagenais qui a appelé Pierre à Phoenix, puis il a dit à Pierre « Hey, à RDS, ils ont dit que tu n'étais pas de bonne humeur parce que Jim Dodd est arrivé. » Qu'est-ce que Dagenais, il fait après ça? Il s'en vient voir le gars d'RDS en esti qui est à Phoenix. Là. Fait que là, il s'en vient me voir et il dit, « Steph, tabarnak, c'est quoi ça? » Là, je dis, « Écoute, c'est pas moi, je sais pas de quoi tu parles, j'ai pas dit ça. » Il dit, « Je savais même pas c'était qui. » En parlant de Jim Dowd, un peu comme je pensais. T'sais. Fait que tout ça pour dire que n'importe quelle interprétation d'image peut changer. T'sais, Dagenais, ouais. Il était pas content, cette journée-là, là, de passer pour le gars que... Il avait l'air en maudit que le Canadien ait été chercher un joueur, tu sais, puis c'était comme, c'était pas le cas, dans le fond, c'était vraiment pas ça, c'était créé de toutes pièces, tu sais. Ouais. Alors, il faut faire attention, quand tu vois une image, quand tu interprètes une phase d'un, tu sais, on a beaucoup parlé de Patrick Roy la semaine passée, ouais. Tu sais, ce soir-là, c'était équivoque, là, c'était clair qu'il avait dit à Ronald Coré qu'il s'en allait, là, il n'y avait pas de doute, tu sais. Il n'y avait pas de doute. D'autres fois, il faut se garder une petite gêne un peu, tu sais, là, c'est... Ah, c'est ça. Ah non, c'est bon, Steph. Puis, mais vous lui demanderez à Dagenais s'il se rappelle de cette histoire-là. Là, c'est, ben, on te réinvitera, toi et Dagenais ensemble, ça va être bon. Lui, c'est avec Ribeiro, Arouin, Noranda, là, c'était solide. Les deux ensemble, là, je les vois encore taper leur bâton dans le petit corridor à Rouen. Là, c'est, en tout cas, j'ai joué avec Pierre avec les anciens Canadiens, puis ouais. Ça avait l'air plaisant. Ça avait l'air plaisant. C'est, Il était premier choix au total des Alpines. Des Alpines de Moncton, ouais. Une équipe qui, rendue au mois de décembre, n'avait même plus d'argent à payer bâton. Ah, c'était Lucien, qui le coach? Lucien Deblois était obligé de payer les bâtons de sa poche puis les roulettes de tape de sa poche en décembre, en 1995. Parce qu'il n'y avait pas assez de monde? Il avait pas, le propriétaire, il n'avait pas d'argent. C'était pas, la première année, c'était pas M. Irving qui était propriétaire à Moncton, c'était un nommé John Graham. Qui venait de Toronto, qui avait acheté ça. Mais écoute, il était tout croche. Lucien Deblois a sorti de l'argent de sa poche pour que l'équipe finisse la saison. Je me souviens d'être allé couvert à une pratique. Les gars, ils manquaient de tout. Ils manquaient de bâtons. Lucien mettait les repas d'équipe sur sa carte de crédit. Ben non. Wow. Ouais, la première saison. Autant aujourd'hui, Moncton, c'est solide. C'est M. Irving, c'est les Wildcats. C'est une des meilleures organisations de la Ligue. La première année, ça s'est appelé les Alpines. Puis c'était pas chic. Je peux juste vous dire ça. Là. Ça serait quoi? C'est quoi la meilleure organisation que tu as vue? Oh, ça, c'est dur à répondre. C'est dur, parce hein? Que, mais... Non, mais tu sais, moi, je suis de ceux qui pensent que les 18 organisations de la Ligue en ce moment, tu vas être bien développé, peu importe où tu tombes. C'est sûr que pour les jeunes, exemple, qui viennent de Montréal ou de Québec, des grands centres, aller jouer à Baie-Comeau ou à Rouyn-Noranda, après ma barre, c'est pas sexy. Là. Moi, je me souviens comme c'était hier quand Roberto Luongo était repêché par les Foreurs de Val-d'Or. Quand il s'en vient sur le stage, il n'a pas le gros sourire. Je peux vous le dire, là, s'en vient et il n'est pas content. Tu sais, là. Mais ces gens-là, puis tu leur parles après, ils ont rencontré leur blonde des fois dans ces places-là, ils ont rencontré leur femme, tu sais, avec qui. Moi, j'ai un témoignage d'un joueur qui a été changé de Québec au Cap-Breton. Là. Il braille solide. Là. Le Cap-Breton, c'est le bout du monde. Là. C'est Cap-Breton calice, pour dire comme Éric Bélanger, peut-être. Est-ce qu'on va un nouveau piton? Mais tu sais, le gars, il était changé de Québec au Cap-Breton. Il braille, là, tu sais. Mais il est arrivé là-bas. Il a appris l'anglais. Il a rencontré sa femme là-bas. Puis il habite là aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, il a fait sa vie là-bas. Tu sais, alors, c'est extraordinaire quand tu penses à ça. T'sais, on dit souvent que c'est une école de vie. Donne-toi une chance. Tu sais, Max, je ne sais pas comment tu as réagi quand le Rocket a déménagé à l'île du Prince-Édouard. Là. Hey, ah, c'est le bout du monde, là. Tu sais, je veux dire. C'était pas facile. C'est la première réaction. Steph, il a raison. On était au Sandbell, on jouait à Montréal, on était comme, ah ben, on s'en va à l'île. Ben oui.
C'est le plus beau moment de ma vie. Là. J'ai eu du fun. Ben, j'ai rencontré ma famille de pension. Tout ça, c'est incroyable. Cap Breton, Pascal Vincent, coaché là 9 ans. Il disait toujours au staff, il dit, quand j'ouvre ma fenêtre, il dit, c'est l'Espagne. Le problème, c'est que c'est ça, pareil. Ouais. Tu sais, je veux dire, le Cap Breton, là, ils ont. Le gars qui joue au Cap Breton, un gars comme Marc-André Fleury, là, qui a joué au Cap Breton 4 ans, d'être un premier choix au total dans la Ligue nationale, quand tu penses que sur 4 ans, d'après moi, tu as perdu 120 pratiques, si tu compares un gars qui joue, exemple, à Drummondville. Ouais. En termes de voyagement, là, de temps que tu as passé dans l'autobus, de nuit à l'hôtel, là, fait qu'il faut que tu sois fait fort en tabarnouche pour jouer ça. Mais en même temps, moi, je trouve que ça forme bien gros. Je suis pas capable de donner. T'sais, c'est sûr que pour la plupart des gens, là, jouer les Remparts de Québec, c'est gros, puis tout ça, puis jouer à Val-d'Or ou à Baie-Comeau ou à Bathurst, c'est pas aussi gros, mais chaque endroit a son cachet, chaque organisation a des bonnes personnes, puis je serais pas capable de dire à un gars... Tu sais, Nathan MacKinnon, là, c'est pas lui qui voulait pas aller jouer à Baie-Comeau, là. C'est ses parents qui voulaient pas qu'elle joue à Baie-Comeau. Nathan MacKinnon, il a joué au hockey partout, là. Ça ne dérangeait pas, là, tu sais. C'est drôle, Steph, que tu dis ça, parce que moi, c'est une de mes... Tu sais, mon chandail est retiré à Drummond aujourd'hui. J'ai vécu des années exceptionnelles avec les Voltigeurs. Mais si tu me demandes aujourd'hui une affaire que j'aimerais dans ma carrière, ça aurait été de goûter une région. De dire, je suis allé jouer à Bathurst, je suis allé jouer, puis je sais que moi, mon frère en a fait échanger en même temps, la même soirée, à Bathurst. Ça a passé 90%, c'était fait, les deux, on s'en allait à Bathurst. Mais ça, c'est quelque chose, tu sais, d'aller à Rimouski, d'aller à Val-d'Or, Rouen, peu importe, j'aurais aimé ça vivre une région comme, tu sais, j'étais à 5 minutes de Montréal, tu sais, mes parents étaient là toutes les games, mes oncles étaient là toutes les games, ma famille était là tout le temps. T'sais, c'est pas la même, c'est pas le vrai game junior que moi j'ai vécu, même si j'ai adoré mes années à Drummond. J'aurais aimé ça vivre un 6 mois, un an ailleurs. T'sais, ben juste OK, c'est hot. T'sais, quand j'allais voir mon frère, là, on mangeait au Pizza Bella à Val d'Or. Mon frère allait me chercher, je passais l'après-midi avec, on allait à la game. Tu sais, il y avait quelque chose de différent. On dirait, c'est parce que dans ces endroits-là, là, le hockey junior, c'est la plus grosse affaire. Tu sais, je veux dire, t'es comme l'équipe de la Ligue nationale. Tu sais, à Rimouski, là, je veux dire, c'est fou, là, tu sais, comment est-ce que les gens sont dans... T'sais, tu sais, moi, j'ai dit en 2000, quand Rimouski a gagné la Coupe Memorial, il n'avait pas fait d'échange aux fêtes, vraiment. Il avait été chercher Alexandre Tremblay, un joueur seulement. Puis les autres équipes s'étaient renforcées beaucoup. Tu sais, Québec avait été chercher Mike Ribeiro, puis Moncton avait été chercher Beauchemin, puis Jonathan Girard, tu sais, puis on avait fait des... Fait que moi, j'avais dit en ondes, en grand connaisseur que je suis, ah, Rimouski, équipe perdante de la période des transactions, ils ne sont pas assez améliorés, ça ne fonctionnera pas. Peux-tu te dire que quand ils ont gagné la Coupe, il y en a qui me l'ont mis d'en face, tu sais? C'est correct, tu sais, ça fait partie de la game, tu sais, mais moi, je disais à ce moment-là que je trouvais que les autres équipes étaient meilleures, tu sais, quand tu vas chercher un Ribeiro, quand tu vas chercher un François Beauchemin, tu sais, dans le temps, c'est des gros joueurs, tu sais. Mais Rimouski a gagné quand même avec, il y avait le meilleur joueur, il y avait Brad Richards, puis c'était le meilleur joueur, tu sais. Ça. Ah non, c'est exact. Puis Junior, ce que le monde oublie, c'est que Junior, un gars peut faire la différence. Incroyablement, c'est fou. Tout à fait. C'est pas... Mais Steph, j'arrête ça là parce que je veux en garder d'autres. On aurait pu te garder sérieusement 48 heures straight. On va faire un marathon avec Steph. Je veux qu'on coupe là parce que je veux qu'on le réinvite. Je veux juste dire, moi, les podcasts, là, je vous dirais, il y a 2-3 ans, je ne connaissais pas ça. Quand j'ai commencé à en faire un, j'ai commencé dans le fond il y a 3 ans, là, je croyais pas nécessairement à ça. Je me disais, voyons donc, tu sais. Puis le premier gars qui m'a invité sur un podcast, vous l'avez déjà parlé, c'est David Bocage, le Dread Sultan. Je connaissais pas David, tout ça. Puis il m'écrit, puis il me dit, Chantal Maccabée est venue, tout ça. Fait que je dis, je vais aller écouter ça, voir que ça a l'air. Puis j'écoutais Chantal, qui avait été pendant 45 minutes, une heure. Je dis, c'est intéressant, tout ça. Fait que je vais y aller. Fait que je dis à David, je dis, ça prend combien de temps ton affaire? Tu sais, 40-45 minutes. Je dis, OK, ça dépend comment ça va aller. Hey, on a fait 2h15. C'était fou, là. Moi, je parlais. Puis David, il n'en revenait pas. Il me réinvite à chaque année. D'ailleurs, je vais y retourner la semaine prochaine. On fait toujours un spécial mondial junior maintenant qu'on parle à chaque année. Il est bon, Dave. Il fait une bonne job. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis je trouve ça le fun. Puis j'en écoute de plus en plus, tu sais, dans l'auto quand je suis sur la route. Là. Puis, tu sais, je vous disais, cet été, là, je suis monté tout seul jusqu'à ma Natashquan. Mais là, je me tapais des Mike Ward. Puis je me tapais des affaires de même. Tu sais, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis vous autres, ben, vous m'accompagnez dans mes marches. Là. Dites-vous ça, là, je vais marcher là,
Moi, j'essaie de marcher. Depuis le début de la pandémie, là, je marche mon 5 km à tous les jours. C'est rare, je saute une journée. Puis des fois, mon fils vient avec moi avec le chien. Fait que là, ben, j'écoute pas le podcast parce que c'est impoli. Mais quand je vais tout seul, ben, je vous écoute, puis je ris, puis j'ai vraiment du plaisir. M'a dit la même affaire que je dis à ma blonde. Ma blonde, elle s'entraîne 2-3 heures par jour. Quand elle a fini son training, je dis, ben B, on s'est entraîné 2-3 heures aujourd'hui, moi, plutôt. Fait que Steph, quand tu prends ta marche, on a marché 5 km. Je suis plus capable d'entendre ça, là, sérieusement. Là. C'est gars, moi, je prends l'entraînement avec tout le monde. J'en fais pas, mais gars, je prends l'entraînement avec tout le monde. Mais c'est correct, c'est le fun. Merci, ouais. Steph, t'as été écœurant. Hey, je savais écoute, que ça allait... Tu veux-tu mon foursome de rêve? Oui. J'ai réfléchi à ça pas mal, moi, là. J'adore ça. Moi, je suis un gars d'histoire de hockey. Puis, quand je lis des livres, je lis pas tant que ça. J'aimerais ça lire plus, mais j'aime beaucoup ça lire des biographies. Des biographies de gars de sport, là, c'est mes livres préférés. Tu sais, puis j'ai lu des livres et des histoires, même des gens moins connus. Alors moi, tout le monde répond Tiger Woods. Moi aussi, je prendrais un golfeur sur mon jeu, mais j'aimerais mieux John Daly, je pense. Parce que son livre, j'ai lu son livre, là, sa biographie, puis... Fait qu'en plus, il frappe loin, il lève le coude, il doit être drôle, je suis pas mal sûr. T'as-tu entendu sa chanson? Non, j'ai pas entendu sa chanson. Okay. Et Mark John Daly sur la musique, là, puis tu vas aimer sa tune, tu vas m'écrire. OK. Écoute, il est allé, il a déjà gagné, dans son livre, il raconte, je pense qu'il a gagné 600 000 au Skins Game, puis 3 heures après, il en restait plus au casino, là. Tu sais, je veux dire, c'est fou, là, tu sais, c'est... Fait que j'ai lu John Daly, moi, j'aimerais ça. Je pense que je prendrais Guy Lafleur parce que c'est mon idole d'enfance, puis j'ai la chance. Je fais partie des chanceux qui ont aujourd'hui, tu sais, quand ton idole dans la vie te reconnaît maintenant, tu sais, quand je vois Guy, des fois, je l'ai vu au tournoi de Jonathan Drouin, puis j'espère que sa santé va bien aller, là, mais je l'ai vu au mois de septembre, tu sais, puis il me dit salut Stéphane, comment ça va? Moi, je trouve que c'est wow, tu sais, que ton idole te reconnaît. Tu sais, combien de gens dans la vie peuvent dire leur idole les reconnaît, tu sais, c'est sûr que Guy serait là. Puis pour avoir des histoires de hockey aussi, puis il est talent, je pense que je prendrais Scottie Bowman. Scottie Bowman, là, un soir, il est assis avec Benoît Groulx, Michel Bergeron. On est à Québec, puis je les écoute jaser. Je n'ai pas resté avec eux autres tout le temps parce qu'il fallait que je parte, là, mais c'est des raconteurs, des histoires incroyables. Tu sais, Scottie Bowman, les affaires qu'il faisait avec le Canadien, puis tout ça, pour les prendre en défaut. Puis, tu sais, vous l'avez entendu, l'histoire du bâton autographié, là, je veux dire, il faut être wise. Là. Tu laisses un bâton au portier de l'hôtel, puis tu dis au portier, fais signer les gars qui rentrent après 11 heures, mais savoir qui c'est qui a sauté le couvre-feu. C'est malade. C'est fou. Moi, je le savais, Steph. Quelqu'un m'aurait fait signer un bâton en revenant à l'hôtel. J'aurais dit, il n'y a jamais personne qui m'a demandé mon autographe. Fait que, là-bas, là, ça ne marche pas ton affaire. puis moi, je ne donne pas beaucoup d'autographes là, pour vous demander l'autre question. J'en ai déjà demandé beaucoup quand j'étais petit là, parce que moi, c'était. Tu sais, les gens ne savent pas, là, mais j'étais un maniaque de baseball. J'allais aux expos régulièrement. Tu sais, puis Gary Carter et Alice Valentine, là, c'était donc pour moi extraordinaire, ces joueurs-là. Là, tu sais, mais juste une petite anecdote parce que c'est Luc qui m'a fait penser à ça la semaine passée quand il a raconté l'histoire où il s'est fait reconnaître à Barcelone pour signer son livre. Ouais. Moi, je n'ai pas écrit de livre, là, fait qu'on ne me reconnaît pas pour ça, mais j'étais avec mon fils. Écoutez bien cette shot-là, là, puis on va finir là-dessus si vous voulez, là, mais j'étais à Paris avec mon fils il y a 3 ans, puis il est avec une copine, on est les trois, puis on veut aller manger dans un restaurant là, bien ordinaire, là, à côté de la place où on reste, un restaurant thaï ou une affaire de même. Puis les restaurants à Paris, c'est pas grand, là, l'espace n'est pas grand, fait qu'il n'y a pas de place, t'sais. Fait que là, on dit au gars, ah, c'est donc bien plate. T'sais. Ben, il dit, écoutez, j'ai une table en bas dans le sous-sol. Je peux vous monter une table dans le sous-sol si vous voulez, puis je vais aller vous servir là. T'sais. Écoute, le sous-sol, là, c'est genre les caisses de bière et de vin sont en arrière, puis la toilette est là à côté. Là. C'est là qu'on mange. T'sais. Mais c'est pas grave, on est assis là. T'sais. Puis, à un certain moment, il y a deux Français qui descendent aux toilettes. Il y en a un qui sort de là. Mais ma parole, c'est Stéphane Leroux de RDS? Écoute, à Paris, dans le sous-sol d'un restaurant, là, je regarde le gars, je dis, ben voyons donc, pas ici, là, ça se peut pas. T'sais. Le gars, c'est un crinqué du Canadien. Il regardait les matchs à 1h30 dans la nuit, à heure de là-bas, pour suivre le Canadien. Wow. Il écoutait Sport 30. Tu sais, Luc, son histoire, c'était des Québécois là, qui l'avaient reconnu. C'était un Français de France. Là, je capote. Wow. Voyons donc. Le web, aujourd'hui, rend ça international. Tu sais, je veux dire, les gens, ils peuvent... Tu sais, le podcast que vous faites en ce moment, là, il y a des gars qui l'écoutent peut-être en Australie. Vous vous rappelez de Brent Aubin? Vous avez joué contre lui, Brent? Il est en Allemagne, je pense. Oui, je vous raconte l'année passée. Brent, l'année passée, au Mondial Junior, il m'a envoyé un texto sur Stoudzla. Il voulait me parler de Stoudzla, qu'il connaissait bien. Je pense qu'il avait joué avec. Puis il dit, by the way, j'écoute ton podcast à chaque semaine quand je roule dans l'autobus avec l'équipe.
sais, c'est le fun, c'est rendu comme ça. Tu sais, avant, dans votre temps, là, les parents m'écrivaient quand je parlais de leur fils à la TV. Hey, tu peux-tu me faire une copie VHS du reportage que tu as fait avec mon gars à Sport 30? Ben, là, il fallait faire une copie. Il a amené ça, il a envoyé ça par la poste. Tu sais, maintenant, tout est disponible. Tout est disponible. Ouais, c'est ça. Ton chanceux, pareil, par exemple, parce que. Ouais. C'est un côté que j'aurais aimé avoir. Il y a certaines choses que tu fais comme « Ah, j'aurais aimé savoir ça. » Mon fils, il a eu la chance. Je disais tantôt, il a commencé de bonne heure. Il décrivait les matchs des élites de Jonquière, Midget 3A, quand il étudiait à Jonquière. Tu sais, j'avais pas cette chance-là, moi, quand j'étais à l'école, tu sais. Puis, tu sais, je finis avec une dernière, là, une vraie dernière. Écoutez bien celle-là. Mon fils, il me dit, papa, j'aimerais ça que tu écoutes ma description. T'sais, c'est la première fois de sa vie qu'il faisait ça, un samedi après-midi, au début septembre, tu sais. Fait que je dis, OK, je vais me brancher. Fait que chez nous, samedi après-midi, j'ouvre le laptop. Évidemment, moi, je regarde le match Jonquière contre, je sais pas, Châteauguay, whatever. Puis, je veux surtout écouter mon fils décrire la game. Mais là, j'arrête pas de décrire la game. Puis, le numéro 17, ça a de l'as, là, il me fatigue en tabarnouche parce qu'il se promène partout, aussi, il tourne. Je dis, il est donc bien bon, lui. Ben, c'est Samuel Girard qui jouait son premier match Midget 3A à Jonquière. Ah ouais, hein? L'année que mon fils décrivait, je l'ai découvert comme ça, Sam Girard. Il jouait avec Jonquière, il était étourdissant. C'était des cons d'orange alentour de lui, il avait 15 ans, là, il se promenait partout, ça a de l'as. C'était fou. Wow. Fait que, tu sais, c'est. Jasmin, il a décrit dans le fond Samuel Girard, Midget 3A. T'sais. Puis moi, ben, je regardais la game pour écouter mon gars, puis j'ai découvert. Moi, j'ai dit, hey, il va être bon, lui, ça n'a pas de sens. T'sais, je l'ai vu tout de suite, tu sais, c'est pas long, là. Mais Steph, on te réinvite bientôt parce que je veux qu'on jase de l'aspect, justement, tu as vu 2500 games, l'aspect devenir recruteur, évaluation de game, toutes ces affaires-là. Je veux qu'on aille plus concrètement dans game que l'anecdote. Je pense que tu as tellement on te réinvite Sérieusement, Steph, t'es incroyable. On aurait pu continuer. C'est de valeur. Il est 4h30 du matin à Berlin. Mais je me dis, il faut toujours que je finisse avant le déjeuner. C'est ça notre règlement. J'ai-tu battu le record, là, 9h moins quart à 10h30? Là, tu commences à être solide en Christ. D'après moi, t'es dans les records. Je suis pas mal sûr de ça. À part la soirée où j'étais encore à Montréal, puis j'ai dit, il n'y a pas personne qui va me coucher à soir. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a appelé, puis il a dit, ouais, mais moi, Max, je travaille de nuit, je commence mon chiffre. Là, j'ai dit, OK, ben, salut, il m'a couché. Tantôt, je disais, j'ai écouté toutes les minutes, mais la bleue foncée, je ne l'ai pas écouté. Je fais mon mea culpa. Ouais, mais Steph, t'aurais dû les écouter. Ouais, c'est ça. T'aurais pu écouter le show, t'aurais juste écouté les bleus foncés. Ça devait être chic, ouais, c'est ça. Merci les boys, merci beaucoup. Merci beaucoup, puis bon championnat du monde junior. On espère que le tournoi va avoir lieu. Puis dans le temps des fêtes, il y a juste ça cette année en plus. Là, fait que je vais décrire les games avec Norman Flynn, mais on va décrire ça de Montréal cette année. Puis je pense qu'on ne perdra pas trop dans l'échange, là, puis on va se forcer pour que ce soit aussi bon. Là, puis honnêtement, c'est drôle, mais... Championnat mondial junior, c'est Steph Leroux, c'est Flinner. Pour moi, c'est votre voix qui est là. Puis là, rendu en demi-finale, c'est Écon. Puis rendu en finale. Toi, Guy, au championnat junior, tu regardais-tu sur ton iPad? Qu'est-ce que. C'est parce que j'étais sur le banc, fait que les gars, je pensais. Moi, je regardais la game. Ouais, c'est ça. Non, mais sérieusement, là. Je fais bien des blagues, là, mais tu ne méritais pas ce traitement-là, Guillaume, en 2006. Là, sérieux, là, je ne veux pas dire ça parce qu'on se connaît et tout ça, là, mais Sutter, il avait vraiment été chien. Steve Downey, c'était son genre de joueur, on le sait. Là, t'sais, mais t'sais, Downey, 13 attaquants. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que tu veux mettre la tendresse sur le banc une coupe de chiffres parce qu'il a manqué son gars, c'est correct. Mais viens pas me faire accraire qu'en 6 games, il n'y a pas personne d'autre qui a manqué son gars à un certain moment. Là, t'sais, je veux dire, soit fair. Là, t'sais, là, fait, et en plus, en finale contre les Russes, ça, je ne l'ai pas dit souvent, mais est-ce que j'ai passé proche de la crise là-dedans? J'ai reçu le puck, là. J'ai frappé le côté du net, puis je me disais, si j'aurais pu y mettre... Non, si j'avais pu y mettre ça dans la face... Là... Hey, écoute, Guillaume, la demi-finale, je pense, vous meniez 6-1. Il restait 3 minutes, puis il embarquait même pas pour Kulok. Fais-y faire un chiffre ou deux. C'est 6-1, là, tu sais. C'est ça. Brent Sutter, c'était à game face tout le temps. Les gens me parlent souvent. Quand il a gagné la médaille d'or en 2005, l'année d'avant, avec Crosby, Bergeron, là, ça a de l'air, c'est à la fin de la game, je fais les entrevues, tu sais. Puis là, j'étais avec, tu sais, puis là, je dis... Je sais pas comment ça se fait que j'ai eu le front de dire ça. « Brent, just for RDS, can you give us a smile, please? »
Écoute, ça, le sourire a duré une seconde, puis il est parti. Comme là, fuck you, toi, là, tu sais. Je trouvais qu'il souriait jamais, tu sais, là, puis c'est game face tout le temps. Mais ouais. Benoît Groulx m'a dit que c'était un maudit bon gars. À l'interne, ça a l'air que c'était un maudit bon gars, puis tout ça, là, tu sais. Mais, tu sais, il se donne un. Tu sais, les Sutter dans l'Ouest, c'est comme Maurice Richard puis Guy Lafleur au Québec, tu sais. Ils ont joué 5000 games. Ils ont joué 5000 games à 6, là. Pense-y, là. C'est ouais, fou, okay. Là, tu sais, je veux dire, c'est. Ok. Ouais, ah non, ouais, c'est gros. Nous autres, on se plaît à dire la poche bleue, on a joué 1000 games, tu sais. Ouais. On se plaît à dire ça. Nous autres, nos 5000. C'est ce qu'on est de la merde. Ouais. Pas d'allure, là. Hey, Steph, merci beaucoup. Merci, Steph. C'est sûr qu'on se revoit à un moment donné. Puis à Bécomo, ben, on va monter ensemble. Là, tu viens ici à Bécomo, c'est sûr, là. Ben là, moi, si je t'invite, je vais essayer d'y aller. Non, mais là, là, t'es invité, là. T'es invité live. Puis, hey, t'es pas invité à ton char. T'embarques. Si dans le VR de la poche bleue. Oh, t'es dans le VR. OK. Mais je connais des petits endroits à Bécomo, là. Si jamais vous avez besoin, là. Mais... OK, mais de bord, Steph, Max va descendre dans le VR. Moi, plutôt, on va descendre en char et on va rester 2 jours plus tard. Guillaume, c'est une bonne fourchette, là. Puis Max, en Europe, la crème à l'oignon, juste en face. Je le dis, le gars, il me fait capoter. Il y a une fois, il n'y en avait pas sur son menu. J'ai dit, je ne peux pas croire que je viens à Bécomo, je ne mangerai pas ça. Il m'en a fait. On y va, c'est sûr. On s'en va là, c'est réglé. Si on c'est sûr. Pas le choix. Pas le choix. On va la ville. Steph, t'es là, c'est confirmé. OK. La date va être décidée selon l'horaire de Steph. Ben écoute, moi, je vous écoute. Fait que je vais la savoir, la date. À un certain moment, vous allez la dire. Si on peut juste se débarrasser de cette COVID-là. Ouais. Là, puis, c'est ça, puis exactement. Demain tu vas recevoir ta bouteille de gin. Demain? Ouf, il y a des témoins, attention, là. Ouais, j'aime ça. Guillaume va aller t'apporter, hein, Guy? Parce que c'est sûr que c'est pas moi. Tu me prends une photo avec, là. Moi, j'ai un texto le 23 octobre. Tu m'as demandé mon adresse, là. Demain. Demain. Hey, demain, c'est une caisse de 24. OK. Une bouteille de gin pour le retard. Je te paye les intérêts. C'est cool. Demain, j'aime ça. Entendre ça. Live, Steph, là tu me rends heureux, là, d'entendre Guillaume de même, là. J'aime ça. Guillaume, il reste à peu près à 8 minutes de chez nous, en plus. Okay. J'aime ça, en tabarouette. Demain, c'est fait, Steph. Puis tu vas me prendre une belle photo avec ça, puis on va mettre ça sur nos réseaux. Ça va me faire plaisir. Le monde, Steph, sont tellement contents. Wow, merci, Steph. Le monde capote, honnêtement, là, c'est vraiment hot. Vraiment. Ah ben, j'irai lire ça tantôt. Merci beaucoup. Là, je sais pas. Puis c'est le fun que vous faites. Ouais, salut, merci. Bye bye. Salut. Thank you, Steph. Thank you.